Bonsoir tout le monde. Avant de commencer ce conseil municipal, je souhaite que l'on rende hommage à deux personnes qui nous ont quittés ces dernières semaines. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Le premier, c'est que je voudrais rendre hommage à Michel Berson. Alors, il a été sénateur, il a été député, il était maire de Crolles, mais il a été surtout, pour moi, pour nous, ceux qui l'ont connu, président du conseil général de l'Essonne. Il avait traversé la Seine plusieurs fois pour venir nous voir au SAN. C'est un homme d'écoute, d'une grande expérience politique. Je me rappelle de déjeuner très intéressant avec lui. Un homme de gauche, et des convictions vissées au corps. Mais au-delà des clivages politiques, je tenais ce soir, avec vous, à lui rendre hommage pour tout le travail qu'il a fait pour l'Essonne. Une autre disparition qui me touche de près cette fois, de très près, c'est Madame Bohénan qui nous a quittés dimanche. Je pense que vous la connaissez tous. Militante avant tout pour le droit au logement, elle a bataillé durant des années pour le droit au logement. Représentante du SNL, Solidarité, Nouveau Logement. Responsable de l'UDAF, Union départementale des associations familiales. Présente avec nous encore la semaine dernière au CCAS, où elle se battait pour qu'on puisse acheter, enfin que SNL achète la maison rue Pasteur. Elle s'est battue, elle a été présente dans tous les forums associatifs, elle a été présente dans toutes les commissions logement auxquelles j'ai participé depuis des années. Elle va me manquer et je voulais lui rendre hommage avec vous ce soir. Je pense qu'elle exige même de dire un petit mot, je crois, avant qu'on éventuellement. On prend un petit moment de recueillement pour elle. Oui, je voulais m'associer. Le départ de Mme Bohénan me touche beaucoup. C'était quelqu'un que j'ai connu quelques années, qui a donné toute sa vie aux autres. C'était quelqu'un au grand cœur. Et des personnes comme ça, on en voit peu. Et j'ai été très peinée de sa disparition. Et je m'associe à cet hommage que la commune peut lui rendre, et la commune d'ailleurs peut lui rendre aussi, mais Saint-Pierre-du-Perray en particulier, parce que c'était quelqu'un de vraiment, qui a, enfin, je le redis, qui a donné toute sa vie aux autres. Et encore la semaine dernière, elle était en pleine forme. Et donc, j'ai beaucoup de peine, et vraiment, je voulais m'associer à cet hommage. Voilà, merci. Je propose un petit moment de recueillement, parce que bon, les minutes du silence, c'est pas que je ne respecte jamais, donc, mais je voudrais juste qu'on se pose quelques secondes en pensant à elle. Vous remercie pour elle, et puis on va pas lui donner le nom d'une rue dans une prochaine construction. Bien, on passe au point suivant. Merci pour elle, et puis on adresse toutes nos. À sa condoléance et sa famille. Je vous avais parlé la semaine dernière, vous l'avez sur table, je vous propose une motion. Je l'ai appelée motion lycée de Robert Guano. Donc elle explique simplement que la dotation globale des horaires, ce qu'on appelle la DGH, attribuée à cet établissement par l'inspection académique de Versailles pour l'année scolaire 2020-2021, a encore été une fois réduite, alors que dans le même temps, le nombre d'élèves accueillis augmente. J'ai un retour, c'est pas. Concernant cette réduction, on va encore avoir de lourdes conséquences pour nos enfants, surcharge des effectifs dans les classes, baisse de la qualité de l'enseignement, possibilité de suppression d'options, mais aussi surtout une non-affectation de certains élèves. Considérant qu'à chaque rentrée, comme en septembre 2020, de jeunes Saint-Périens se sont retrouvés sans affectation, que certains ont attendu une semaine, 2 semaines, 1 mois, voire plus sans être scolarisés, je vous propose de voter cette délibération. Et je souhaiterais bien sûr qu'elle soit à l'unanimité, à moins que vous ayez des remarques au préalable. Bonsoir. En fait, je ne sais pas si c'est une délibération, il faudrait peut-être que vous fassiez l'appel, enfin, on vérifie le quorum et que soit nommé un directeur, un secrétaire de séance. Je pense.
Ouais, pour moi, ce n'est pas une libération, c'est une notion. Mais bon, Ah oui, c'est une motion hors de libération, oui, c'est ça. pour moi, c'est une motion. Alors, on l'a appelé une délibération, mais c'était une motion. Je voulais juste une motion. C'est pas une délibération. Marqué motion, mais c'est une motion. Bien, y a-t-il sur cette motion, est-ce que vous êtes tous d'accord pour annoncer cette mission avec l'Académie de Versailles? Je remercie pour nos enfants, pour les professeurs qui attendent cette chose, cette motion de manière importante. Avant de commencer le conseil municipal, je voulais dire un petit mot sur une situation que je déplore et j'apprécierais que nous en soyons tous d'accord. Nous sommes tous en colère aujourd'hui sur la situation financière de la commune. Nous sommes tous inquiets par la situation sanitaire, par ce virus qui peut toucher nos enfants, nos proches. Ce virus tue et va continuer de tuer. Nous sommes tous perturbés par ces confinements successifs que l'on ne comprend pas toujours. Nous sommes tous frustrés car il est difficile de faire des projets de mariage, de vacances, de baptême, de fêtes entre amis. Nous devons aussi tous être conscients que nous avons en réalité des familles en réelle difficulté dans cette commune, avec cette crise, je le vois à travers le CCAS. La situation pour tout le monde est difficile et complexe. Mais nous devons tous être également responsables. Nous sommes ici dans une instance de la République. Et nous sommes tous ici les ambassadeurs de l'esprit de cette République, qui est notre garant de notre vie, de communauté. Nous tous devons, dans notre comportement, auprès de nos relations, de nos proches, être porteurs de cet esprit. Je dis tout cela car je trouve un emballement délétère sur les réseaux sociaux depuis quelques temps. Il est temps de prendre conscience que tout cela doit se calmer avant d'arriver à des discours de haine qui pourraient avoir des conséquences dramatiques. Nous avons pour nous en France la liberté d'expression, mais nous devons faire attention à ne pas aller trop loin. Diffuser des noms pour les mettre en pâture à la matière populaire est très grave. Car derrière ces noms, il y a des hommes, il y a des femmes, mais il y a aussi des enfants qui peuvent ensuite à l'école être moqués, être insultés. Et le harcèlement scolaire commence ainsi et peut se finir de manière dramatique. Nous avons connu cela sur notre territoire, je pense à Thibault Duchemin. Que chacun s'exprime, oui, bien sûr, c'est notre liberté et notre démocratie. Mais attention à ne pas attiser la haine entre nous. Faire des pétitions, cela fait partie de l'arsenal des citoyens pour se faire entendre, et c'est tant mieux pour la démocratie. Mais faire des pétitions où on n'a aucun moyen de répondre, n'importe quel citoyen du monde, si on lui pose la question « Voulez-vous que les impôts augmentent ?», ils vont répondre non. Et moi le premier, il faut être sérieux. Et puis il faut aussi être honnête. Dernièrement, j'ai eu une pétition pour Balzac de Villeray. Pour m'annoncer 30 000 signatures contre cette... Non, 35 000 signatures contre cette ZAC. On est 11 000 habitants. Avec des gens qui ont essayé du Canada. Il faut être sérieux, c'est quoi l'objectif? Si on veut travailler ensemble, il faut être honnête les uns avec les autres. Si quelqu'un souhaite des explications pour comprendre, nous devons lui répondre. Mais pas sur les réseaux sociaux. Vous le savez, nous sommes tous ici, quel que soit notre groupe politique, disponibles pour expliquer. À ceux qui se sont présentés aux élections municipales de 2020 et qui nous écoutent, si vous êtes présentés, c'est que vous vouliez agir pour la communauté, pour la commune et pour les habitants. La démocratie a parlé. Beaucoup ont perdu. Je peux comprendre votre état d'esprit car je suis passé par là. Mais à cela, qu'on se présente ensemble plutôt que d'attiser le feu. Car nous serons toujours plus forts ensemble que divisés dans l'intérêt des habitants. Et si malheureusement vous refusez, il faudra prendre votre mal en patience. Nous sommes tous là pour encore 5 ans minimum. Depuis que nous sommes là, nous avons tendu la main à nos concurrents d'hier. La commission écologique pour Gaëtan. La commission solidarité pour Nadège qui démarrera bientôt. La mise à disposition d'un local. La Roche solidaire, vos actions de solidarité. Et je remercie Nadège et Virginie qui ont répondu présent. Ils agissent dans la commune, dans l'intérêt général, sans se renier. Et c'est cela qu'attendent nos concitoyens. Et pas le spectacle qui est en train de s'étaler sur les réseaux sociaux, qui, je le rappelle, peut avoir des conséquences que l'on ne mesure pas aujourd'hui. J'ai lu un post dernièrement, dimanche, d'une personne qui proposait des actions hors la loi pour s'opposer à telle ou telle décision. Vais-je devoir prendre une protection personnelle quand je me promène dans la commune? En tant que maire, j'appelle à tous à plus de discernement, plus de calme, plus
de dialogue les uns avec les autres, pour se connaître et se comprendre. Déjà, je ne répondrai plus dorénavant sur les réseaux sociaux, j'informerai, je continuerai à souhaiter les fêtes, j'informerai de tout ce qui se passe sur la commune, mais je ne donnerai plus jamais aucune explication. Il faudra venir me voir en mairie, on me téléphone, on m'interpelle dans la rue, comme ce matin par exemple, et je n'interviendrai plus sur les réseaux sociaux. Et j'invite tous les élus de la République à avoir la même discipline. Informer, oui, promouvoir, oui, mais dialoguer pour être ensuite vilipendé, non. Nous sommes tous ici des élus de la République, nous devons être dignes de cet honneur et porter l'esprit de la République dans notre rayonnement proche. Je vous remercie. Bien, s'il n'y a pas de commentaires, je propose de passer d'ouvrir le conseil municipal, donc nous allons faire effectivement cette fois l'appel. Donc nous avons Liliane Barreiros qui avait le pouvoir à Michael Bienem, Mathieu Dienne qui avait donné le pouvoir à Muriel Chuchagari, qui a le droit dans les circonstances d'avoir deux pouvoirs. Vous avez la chance, vous avez Salim Atakal qui vous a également donné des pouvoirs, Muriel Chuchagari, et Mme Blanquet qui a une nouvelle fois donné pouvoir à Mme Alicou. Et Benjamin Milan sera en retard. Sur le plan de séance, je propose Benjamin Milan. Il a attendu. Bien, donc sur le plan de séance, Nathalie Ratier. Sur le plan de séance, merci. Le premier point à l'ordre du jour concerne la fixation des taux de la taxe sur les fonciers bâtis et non bâtis pour l'année 2021. Concernant cette délibération, je me dois de rappeler pourquoi nous en sommes arrivés à cette situation. Et comme la répétition est pédagogique, je vais vous rappeler d'où on vient et je vais vous refaire l'historique des années passées. De 2014 à 2017, sur le plan financier de la commune, elle se porte très bien. Les tarifs des services de la commune ont augmenté et durant cette même période, il y a eu très peu d'investissements. Ce qui fait qu'en résultat, en fin 2017, en excédent de fonctionnement, nous sommes de l'ordre de 2 millions, voire on frôle les 3 millions. 2017, première année charnière du mandat précédent, la commune passe sur la barre des 10 000 habitants. Ce passage nous prive de différentes dotations, dont la DSR, dotation de solidarité rurale, et également le plan de finances 2017-2022, qui accentue les baisses de dotations d'État vers les communes. Donc nos recettes diminuent. Par contre, les dépenses de la commune ne tiennent pas compte de cette baisse et on constate peu d'économies qui est réellement entreprise. Et donc à partir de ce moment-là, la commune commence à vivre au-dessus de ses moyens. 2019, deuxième année charnière. Année où je considère que les impôts auraient dû être augmentés à ce moment-là. Cette année-là, la commune a 12 millions de dépenses pour 10 millions de recettes. Pour faire la jonction, pour équilibrer le budget à ce moment-là, eh ben on va utiliser la totalité de l'excédent de fonctionnement, soit 2 millions. Donc l'année 2019 passe encore. Quoiqu'il y ait une erreur de gestion énorme durant cette année 2019, puisque sur ces 2 millions d'excédent de fonctionnement, la commune va acheter un bâtiment en cash, 1,2 million, d'un bâtiment, ce n'est pas le problème de savoir s'il était utile ou pas. Simplement, on l'a acheté en cash, alors qu'à l'époque, les taux d'intérêt au niveau des banques étaient de 0,5-0,70. Il aurait été préférable de faire un prêt et de garder l'argent pour un excédent de fonctionnement pour les années suivantes. 2020, toujours 12 millions de dépenses, un peu plus de 10 millions de recettes. Mais là, il n'y a plus les 2 millions d'excédents pour assurer la jonction. Nous avons ce qu'il y a 468 000 euros d'excédents. Et de vous-même, vous comptez bien qu'il manque de l'argent pour assurer l'équilibre. Et c'est là que ça sera important, c'est la face cassée de l'iceberg que je parle depuis le début. Parce qu'on s'est beaucoup focalisé sur la notion de déficit. Mais le problème majeur de notre situation, c'est le déséquilibre entre les recettes et les dépenses. C'est ça qui est important. Alors, 2020, pour passer le budget, on va le déclarer comme insincère, puisque certains postes seront un peu faussés, des postes qui présentent 10 000 euros alors qu'on sait que c'est 80 000 euros, et ainsi de suite. Et c'est à ce moment-là que nous tombons également sur l'autre deuxième problème,
la partie visible de l'iceberg, parce qu'on ouvre le tiroir, et là on se rend compte qu'il y a les 468 000 d'excédents qu'on nous expliquait, ils n'existent pas, il y a tout un ensemble de factures à résoudre, à payer, et ces 468 000 d'excédents deviennent 545 000 de déficit. Donc il faut bien comprendre que le déficit dont tout le monde parle, c'est que le symptôme de la maladie. La maladie, c'est cet écart entre les dépenses et les recettes. Et depuis le début, je ne parle que de ça, que des deux problèmes que nous avons. Alors, 2021 arrive, nous avons toujours ces 12 millions de dépenses, même si nous avons fait un certain nombre d'économies, mais ça ne correspond pas vraiment à... C'est aux alentours de 300 millions d'économies, et nous avons toujours des recettes moindres. Et nous devons intégrer, bien sûr, le déficit de 545 000. Il n'y a pas donc que le déficit à combler. Il y a également cet écart entre les dépenses et les recettes. C'est ça, les vedettes, ils ont le retour, c'est ça? D'accord. Ah bon, c'est pas c'est sérieux, là. Le besoin de financement est donc de l'ordre de 1,2 million pour couvrir la différence entre les dépenses et les recettes. C'est là où est notre problème. Il ne faut pas se focaliser sur le déficit. Le déficit est un morceau de l'iceberg. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes obligés d'augmenter le taux de foncier bâti pour assurer juste l'équilibre. Et comme nous devons le faire cette année, nous n'avons pas le choix de le faire sur plusieurs années, nous sommes obligés de passer à 7 points supplémentaires par rapport à 1994. Donc si je reprends la délibération, le taux passerait cette année, en fonction de ce que je vous ai expliqué, de 19,94 à 26,94. Mais ce n'est pas tout. Après, c'est une opération qui n'a pas d'impact pour les habitants. C'est-à-dire que vous avez tous compris que la taxe d'habitation était supprimée, pour nous tous riverains. Mais pour nous, les communes, il faut compenser. Donc la solution qu'a trouvé l'État pour compenser, c'est d'intégrer le taux départemental dans le taux communal. Donc si vous regardez votre fiche d'impôt, je vous l'ai présenté la semaine dernière dans le DOM, votre feuille d'impôt classique, vous avez la colonne taux communal, vous avez la colonne intercommunalité, la colonne départementale, et ensuite la colonne TOM. Et bien dans la colonne départementale, vous aurez dorénavant 0, et les 16,81 et les 16,37 seront additionnés au 19,94, plus les 7 points, ça veut dire qu'on arrive en finale, au niveau de la délibération, à 43,41% au niveau de la taxe foncière sur le foncier bâti. Concernant le foncier bâti, le foncier non bâti, on va également l'augmenter. Il était à 76 de tête, je ne sais plus, les deux décimales. On va le monter à 98,91. Alors, je vous rassure, ce n'est pas une augmentation extraordinaire. C'est un poste qui nous rapporte assez peu. En plus, le plancher est à 167%, donc on pourrait aller plus loin, mais il nous rapporte globalement qu'à peu près 10 000 euros. Donc là, il va nous rapporter 13 000 ou 14 000 euros. Voilà. Donc, je vais vous expliquer le pourquoi qu'on doit passer à 7. Je précise deux choses. On aurait pu, je vais être tout à fait franc, parce que moi je n'ai pas d'état d'âme à dire les choses. Comme on n'a pas le réalisé de 2020, on n'a pas les actitudes de nos résultats. Donc pour prendre une sécurité, on a mis à 7. On aurait pu mettre 6, mais on n'avait plus de marge de sécurité. Voilà. Et clairement, mettez-vous bien dans la. Enfin, que ce soit clair, si on avait fait 8, 9, 10, là, effectivement, ça aurait été pour financer autre chose. Là, c'est pour rééquilibrer le budget et avoir la petite marge de sécurité pour être tranquille pendant quelques temps. Mais c'est ce qui va impliquer des économies drastiques sur notre territoire. Parce que cette augmentation de 7 points, elle tient compte de deux choses. D'une part, le rééquilibrage du budget, bien sûr, mais également la situation de nos familles, que je sais en difficulté. Hier soir, j'ai passé un certain nombre de temps avec une dame par SMS qui me disait que 250 euros, pour elle, c'était dur. D'autres m'ont dit, c'est moins dur. J'ai passé mon après-midi hier à discuter avec plusieurs personnes. Des gens qui sont, ça passe bien. Des gens qui me disent, j'ai plus de taxes d'habitation, donc ça ne me dérange pas que tu augmentes.
Mais d'autres, pour d'autres, ben, faut savoir que c'est difficile. Il faut l'intégrer. Donc on a limité cette hausse aux besoins de rééquilibrage, ce qui va nous nécessiter à tous de réaliser d'importantes économies. Et c'est pour ça que je proposerai, juste après cette délibération, la création d'un conseil participatif finance. Et je demande à la commission démocratie participative de nous proposer des solutions de mise en place de cette commission, qui serait une commission externe, de riverains, pas de politique, de gens qu'on tirerait, c'est la commission qui décidera cette constitution, mais qui tous les ans regarderait la situation de nos comptes et ferait un bilan qui serait présenté lors de ce conseil municipal. Il est nécessaire aujourd'hui que les riverains, enfin les riverains, les habitants, soient plus proches des dépenses de chaque euro. Et donc je proposerai cette commission pour pas que la situation qu'on vit aujourd'hui se renouvelle demain. Voilà. Je voulais aussi dire, répondre à toutes les questions, mais je pense que vous en aurez. On ne pouvait pas savoir quand on était autour de la table ce qui se passait quand on n'était pas en interne. Les factures qui étaient dans le tiroir, on ne pouvait pas le savoir. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est obligé aujourd'hui. Et je voulais préciser aussi une chose importante. On est tous impériens avant tout ici. Hein. Des fois, quand j'écoute certaines remarques, on a l'impression qu'on n'est pas Saint-Pierre, on n'est pas Saint-Pierre, on est des élus, on n'est pas Saint-Pierre. On est Saint-Pierre. Je paye la taxe foncière. Vous payez tous la taxe foncière. Je paye encore les habitations. Donc on est avant tout Saint-Pierre. Et donc vous ne pensez pas que ça nous amuse. Ne pensez pas que ça vous amuse de faire ça en début de mandat. Voilà. Je vous remercie. Des questions? Madame Aleko, je vous mets en garde tout de suite. On arrête les polémiques. Si c'est pour polémiquer, je vous couperai la parole. C'est bien clair? Oui, tu peux m'exprimer, ça. Vous pouvez vous exprimer, mais si c'est pour polémiquer, c'est pas la peine. Donc, je vais lire une publication qui sera à joindre au compte rendu du conseil municipal. Donc, vous proposez dans cette délibération aux élus de décider une augmentation du taux des impôts communaux de 7 points. Soit, vous l'avez dit, un passage de 19,94% à 26,94%. Cela correspond à une augmentation délirante de 35% du montant de l'impôt. D'autant plus irresponsable dans la période que nous traversons de baisse de ressources des ménages, qui ont de plus en plus de mal à boucler leur fin de mois. Certains sont au chômage partiel ou total, certains ont des difficultés à trouver un emploi. Donc sur cette année, vous devez, c'est une injonction de la Chambre régionale des comptes, intégrer votre déficit constaté fin 2020 de 545 000 euros et présenter des comptes 2021 à l'équilibre. Le rattrapage du déficit sur 2020 correspond, lui, à 3 points de fiscalité qui devraient se limiter à la seule année 2021. Il en a été question au conseil municipal précédent, avec un retour au taux antérieur dès 2022. Quant aux 4 points supplémentaires, donc en plus de ces 3 points, c'est le choix de gestion communale de l'équipe majoritaire. Ces 4 points d'augmentation, ils sont évitables. Vous allez présenter dans la délibération suivante un budget de fonctionnement de 12,6 millions d'euros. Alors que durant notre mandat précédent, de mars 2014 à juin 2020, nous avons tourné avec un budget annuel de fonctionnement qui a varié de 8,9 millions d'euros à 10,2 millions d'euros. Donc ça Bien, peut vous se pouvez voir. couper, vous pouvez, non, je vais arrêter. On va arrêter. Ah non, je vais Non, je vais arrêter. arrêter. Je vous coupe le micro. Ça suffit, madame Aleko. Ah non, non, je Non, non, vais. non, non. Non, non, je vais Vous aller coupez le même micro. jusqu'à la fin. Vous coupez le micro, ça suffit. Vous coupez le micro, ça suffit. Je vais la sauver quand même de Eh m'exprimer. bien, exprimez-vous, mais sans micro. Tous les habitants de Saint-Pierre-du-Perret sauront que vous ne Mais, pouvez madame Aleko, pas tout ce qu'on vit actuellement, c'est de votre faute, je ne vais pas recommencer. Non, Vous racontez n'importe quoi, comme d'habitude. je ne raconte pas Vous avez annoncé. je vous demande de me rendre la parole. Redonnez-lui la parole. Mais je veux dire, vous mentez en permanence. C'est drôle parce que j'ai fait une commission finance cette histoire. Laissez-moi parler. À votre demande, j'ai fait une commission Laissez-moi finance. parler. Non, 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 non. J'ai fait une commission finance, parce que vous plaignez qu'il n'y avait pas de commission finance lundi soir. Vous n'êtes pas exprimé du tout.
n'avait rien dit. Non, c'était pas le lieu. Ah ben non, vous préférez quand même tout le monde. Je veux bien que les dépenses augmentent chaque année mécaniquement et que nos dotations d'État baissent. Mais avec une gestion plus économe des deniers publics, vous ne seriez pas amené à proposer des augmentations d'impôts aussi importantes. Vous avez, depuis juillet 2020, embauché plusieurs personnes et certaines embauches n'étaient pas indispensables pour notre commune de 11 600 habitants. Tel est le cas du poste de directeur de cabinet que vous avez créé pour vous soulager d'une partie de votre travail. Bien, s'il vous plaît, j'arrête. Et c'est sans parler, je vous arrête. La création d'un poste de CGA, alors qu'une DGA. Je vous arrête tout de suite. Le directeur de cabinet. Effectif de la vous commune. Mentez, vous mentez. Le directeur de cabinet est embauché sur 2021. Oui. On parle du budget 2020. Vous mentez, Madame Alico, oui. Comme d'habitude. Mais non, je ne mens pas. Bah si, vous dites que j'embauche un directeur de cabinet sur 2020. Non, je ne vous pas dit sur 2020. Attendez, non. Depuis, j'ai dit depuis juillet 2020. Bah, on parle du budget depuis juillet 2020. On parle du budget 2020, Madame Alico. Bon, on parle du budget 2020. Pas, s'il vous plaît. Vous prévoyez sur 2021 l'embauche. Vous prévoyez, nous parlons là, il s'agit du budget primitif. Vous tirez la commune vers le bas. Vous passez votre temps à tirer la commune vers le bas. Nous parlons là du budget primitif qui est le budget 2021. Donc la création du poste de directeur de cabinet, elle s'est bien faite sur 2021. Ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. Donc laissez-moi poursuivre, s'il vous plaît. Vous avez donc depuis de juillet 2021 embauché plusieurs personnes et certaines embauches n'étaient pas indispensables pour notre commune de 11 600 habitants. Tel est le cas du poste de directeur de cabinet que vous avez créé pour vous soulager d'une partie de votre travail. C'est sans parler de la création d'un poste de DGA, directeur général adjoint, alors qu'une DGS, directrice générale des services, était encore dans les effectifs de la commune. Vous prévoyez sur 2021 l'embauche de plusieurs agents. Cela a un coût que les propriétaires et indirectement les locataires saint-péréens vont devoir supporter. C'est votre politique. Seules sont indispensables les dépenses supplémentaires liées au fonctionnement et au personnel qui sera nécessaire pour l'ouverture du groupe scolaire Saint-Exupéry, mais qui n'impactera le budget 2021 que sur 4 mois si ce groupe scolaire ouvre bien en septembre 2021. Pour tout le reste, les augmentations que vous proposez au vote ce soir sont liées à votre choix de gestion politique dépensière. J'interpelle l'ensemble des élus présents, qu'ils soient de la majorité ou des groupes minoritaires. Nous nous devons de refuser catégoriquement une augmentation aussi gigantesque de la fiscalité communale. Qu'allez-vous répondre à vos voisins et amis de Saint-Pierre-du-Péray quand ils vont comprendre qu'ils auront 200, 300, 400 euros de plus à payer de taxes foncières chaque année et que vous auriez voté pour cela? Réfléchissez. Réclamons ensemble une baisse de 3 points dès 2022 et une annulation des 4 points de taux restants qui ne seraient là que pour permettre à la mairie de dépenser toujours plus et viendrait assommer les Saint-Péréens d'impôts supplémentaires. Vous l'avez compris, notre groupe d'élus votera contre cet assassinat fiscal et je vous invite tous à en faire de même. Madame Alico, toute la situation qu'on vit actuellement, c'est de votre faute. Alors je vous signale que j'ai demandé à la Chambre des comptes de faire un audit sur l'ensemble de votre mandat et j'espère qu'ils le feront. Je souhaite éventuellement que la collective de citoyens se mette en place et finance éventuellement un audit pour qu'il démontre votre incapacité, votre incompétence sur les années précédentes. Vous racontez. Non, je finis, d'accord? Et je ne vous redonne pas la parole parce qu'on passe à autre chose. Tout ce qu'on vit là actuellement, c'est de votre faute et vous le savez. Mais non. On arrête, on passe à autre chose. Et je passerai le temps qu'il faudra, Madame Eco, à démontrer que tout ce qu'on vit actuellement, c'est de votre faute, depuis le début. Tout. D'accord? Et quand vous annoncez que vous n'avez pas jamais dépassé 10 millions, regardez vos budgets primitifs de 2010, de 2020. Que vous avez présenté, ils sont à plus de 12 millions. Mais c'est pas vrai. Y a-t-il d'autres interventions? Je précise juste une chose, Madame Alico aussi. Le poste de directeur de cabinet était déjà créé. Parce que comme vous ne suiviez pas le tableau des emplois, je n'ai pas créé le poste de directeur de cabinet. Non, je préfère être honnête avec tout le monde. Il faut expliquer. Et je vous signale également que si vous avez réglé votre budget que vous aviez prévu en 2020, vous avez prévu l'embauche d'un directeur de cabinet. Alors, s'il vous plaît, je vous en prie. C'est parce que simplement, vous n'êtes jamais. Vous n'êtes jamais.
Je suis un maire à plein temps, d'accord? Et je vous signale que vous n'êtes jamais occupé du tableau des effectifs. Oui, M. Turcot, excusez-moi, je voulais m'excuser. Oui, c'est normal. Bien, la déclaration du groupe Agir France Inter. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, nous avons conscience de la difficulté de mettre les comptes de notre ville à l'équilibre en 2020. En 2014, nous prévenions déjà ce qui se prévivait en 2020. Élire une équipe qui n'avait pour projet que le déni mettrait notre ville en faillite en 6 ans et qu'il faudrait 6 autres années pour la redresser. Monsieur Béraud, vous avez décidé d'augmenter la taxe foncière de 7 points sur une année. 7 points d'augmentation, pour qu'on se fasse une idée, c'est 100 euros de plus pour les propriétaires d'un appartement moyen et 300 pour une maison de taille moyenne. C'est ce qui figurera sur notre taxe foncière en cette fin d'année. C'est beaucoup. N'aurait-il pas été plus juste, en cette période économique grave, de pondérer cette augmentation en la diluant sur 2 ou 3 ans? Notre groupe pense que oui. 4 ou 5 points d'augmentation auraient permis d'effacer en grande partie l'héritage de la précédente mandature et nous aurait laissé une année supplémentaire pour voir si d'autres leviers pouvaient s'impliquer en lieu et place de cette décision univoque. Monsieur le maire, comme nous le disions en début de notre intervention, autant nous comprenons que le constat de remettre les comptes de notre commune à l'équilibre soit nécessaire, autant nous pensons que cette augmentation est trop importante et devrait être diluée dans le temps. C'est pour toutes ces raisons que notre groupe ne votera pas le taux que vous proposez. Très bien, merci. D'autres interventions ? Bonsoir. Bon, avant de dire ce qu'on avait prévu de raconter ce soir, je ne pensais pas en une mandature, en début de mandat, en arriver là. Je suis gêné parce que je démarre, je ne connais pas le fonctionnement de tout. J'ai pu le dire en commission finance lundi, je ne maîtrise absolument pas la fiscalité publique, pour être honnête avec les gens. Et en même temps, moi, je suis en colère parce que pendant 6 ans, on a laissé faire des gens qui n'avaient finalement pas la maîtrise de ce que c'était un budget municipal. Et d'en arriver là, ça m'énerve et ça m'émeut. Enfin. Comme annoncé lors du dernier conseil municipal, nous ne sommes pas opposés à une hausse de la fiscalité qui permettrait de rétablir l'équilibre budgétaire, mais il nous semble que le taux proposé est trop élevé. Donc on rejoint à peu près les collègues. Pour rappel, et si je comprends bien, toujours pareil, il y a un déficit à combler en plus d'une très mauvaise gestion qui a sous-estimé, comme vous le rappeliez M. le maire tout à l'heure, différents postes incontournables, comme par exemple l'énergie, qui est assez flagrant quand on commence à lire un peu les documents. Les réparations de voirie, quand on peut passer à 5 000 euros par an, il faudra m'expliquer comment. L'achat de la maison médicale au comptant, alors comme vous le rappeliez tout à l'heure, les taux d'intérêt étaient extrêmement bas. Nous sommes conscients de tout ça. Ensuite, à la lecture du budget, on précisera ça tout à l'heure, un excédent de fonctionnement d'environ 600 000 euros nous laisse à penser que l'effort des contribuables impactés est important. Il nous semble que ce budget aurait dû servir à rétablir progressivement l'équilibre budgétaire en prenant en compte les mesures nouvelles et ainsi permettre à la population d'avoir un service public digne d'une commune de plus de 10 000 habitants. Dans cette période extrêmement difficile à vivre pour un grand nombre d'entre nous ne souhaitons pas leur imposer une pression fiscale trop lourde avec les éléments qu'on a. Il sera temps dans les exercices à venir de faire un bilan actualisé de la situation financière et procéder à une nouvelle hausse si elle apparaît supportable et qui permettra la réalisation des projets faisant partie de votre programme. Dans l'état actuel, considérant que la hausse proposée est trop importante à nos yeux, nous voterons contre cette délibération. Mais Maravalico, je vous en veux sur ce coup-là. Vraiment. Merci. Bien. Bien, s'il vous plaît. Monsieur Avelin. Je vais faire que ça.
donc prononcée par Bruno pour le compte du groupe Agir pour Saint-Pierre, je voulais donc développer un petit peu donc, quelques paragraphes. Vous avez compris, et donc bah, ici, les deux groupes qui ne sont pas dans la majorité, mais qui s'estiment responsables et qui ont le souci de Saint-Pierre, ne dit pas, donc, désolé, je comprends, hein, mais ne dit pas donc, le besoin d'augmenter en partie les impôts. Voilà. Donc, et d'ailleurs, ceci, je trouve que donc, dans un conseil municipal, pour le groupe majoritaire, j'espère que vous l'entendez, parce que si vous, vous allez vous faire critiquer alors que vous êtes donc, aux commandes de la ville, nous qui ne sommes pas dans la majorité municipale, eh bien, les critiques vont être encore davantage donc, à notre égard, puisque beaucoup d'habitants qui malheureusement se sont laissés manipuler, ils n'ont pas compris exactement donc, la situation dans laquelle on était, parce qu'il y a eu des allégations de Mme Alicot qui contestent donc la vérité, et Mme Alicot, lorsqu'elle est devant le mur, eh bien donc elle est sortie à ce moment-là que l'argument donc, de vouloir attaquer en justice donc, pour diffamation, c'est là où on voit donc, effectivement donc, à quel point elle a des arguments pour défendre sa situation. Voilà, donc moi ce que je vous apprécier, donc, mesdames et messieurs, c'est la responsabilité donc, des personnes qui sont ici, qui ne sont pas donc, dans la majorité municipale, et qui valident en partie l'augmentation donc, des impôts. Il y a de la démagogie hein, dans ceux qui donc, prétendent qu'on pouvait faire autrement. On a une date limite, normalement c'est fin avril. Fin avril, donc il faut remettre donc, un budget. Le 15 avril. Le 15 avril, voilà. Donc il y a un budget donc, qui va être donc, passé au panier fin par le préfet et donc, la CRC pour voir si donc, ce qui va être donc, proposé par la municipalité permet d'éviter la mise sous tutelle. Alors, la mise sous tutelle, elle a été beaucoup prononcée en janvier, en février. Beaucoup d'habitants la craignaient. Aujourd'hui, certains donc, ont oublié ce qu'est une mise sous tutelle. Moi, j'ai ressorti quelques exemples de mise sous tutelle. Si on prend la Seine-et-Marne, tout le monde connaît Bussy-Saint-Georges. Bussy-Saint-Georges, c'est une commune qui fait partie, en plus, comme nous, d'une ville nouvelle, puisque donc, elle fait partie donc, de Marne-la-Vallée. Et Bussy-Saint-Georges était un petit peu donc, dans une situation un peu analogue à celle de Saint-Pierre, à savoir qu'en étant en ville nouvelle, progression très rapide de la population, besoin donc de mettre en face des services, des équipements, et au bout d'un moment, eh bien, il y a un trou dans la raquette. Et si on n'anticipe pas suffisamment à temps en augmentant les impôts, augmenter les impôts, ce n'est pas un gros mot, c'est plutôt responsable lorsqu'on constate que donc on va dans le mur et qu'il vaut mieux peut-être augmenter un point ou deux points à un moment. Et Pierre Pérusse a eu l'intelligence de le faire donc dans sa dernière mandature. Ça lui a été reproché par des personnes qui ont été très actives pour prendre une mairie et qui nous ont mis. D'accord. Et ils ont mis dans une situation dans laquelle aujourd'hui donc, nous sommes. Alors, à Bussy-Saint-Georges, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, donc, il y avait un trou de plusieurs millions. Le déficit était en fait de 4,2 millions à Bussy-Saint-Georges. Et le préfet n'a rien à voulu entendre. Alors, la ville nouvelle, en l'occurrence l'EPAMARNE, a voulu trouver une solution à travers donc, l'attribution donc, pour un franc symbolique d'un terrain. Et après, la ville devait vendre ce terrain pour apporté au budget de fonctionnement. Bien entendu, le préfet n'a pas validé cette manœuvre. Et puis, si Saint-Georges s'est retrouvé, donc, mis sous tutelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu immédiatement 20% d'augmentation au niveau de la fiscalité locale. Et là-dessus, il faut savoir que donc Saint-Pierre-du-Péray, avec 1994, n'est pas dans la moyenne des taux d'imposition, elle est plutôt en dessous. Donc les communes qui se sont fait redresser avec des pourcentages peut-être moindres l'étaient sur des bases plus importantes, donc tout aussi pénalisantes pour les habitants. Par ailleurs, ça n'a pas été suffisant. Donc tous les services ont été réduits. Et donc tous les services municipaux, tous les services dus aux habitants se sont vus donc majorés en termes de facturation. Ça, c'est Bussy-Saint-Georges. C'est une ville donc, qui est donc, en Seine-et-Marne et pas loin de nous. Il y a eu d'autres villes, il y a eu donc, des communes comme Marvejols, il y a eu des communes comme Argenteuil. Et à chaque fois, on retrouve dans la mise sous tutelle, on retrouve sous la mise sous tutelle, on retrouve automatiquement des mesures arbitraires avec le préfet qui pointe les comptes tous les mois.
Donc effectivement, quand vous soulignez que si on mettait on les mis sous tutelle, vous n'auriez plus donc, d'autonomie, cela peut se vérifier. Voilà. Ça, c'est pour illustrer donc, ce que c'est la mise sous tutelle. Donc, quand on est responsable, on ne peut pas dire on n'augmente pas les impôts et puis on verra bien ce qui se passe. Alors, on a entendu également sur les réseaux sociaux, ou on a vu plutôt sur les réseaux sociaux, des personnes pourtant qui ont été élues et qui disaient « mais moi, je bouche le trou avec donc, le foncier non bâti ». Ben, quand on voit l'assiette du foncier non bâti, je me demande de combien il faut augmenter les impôts sur le foncier non bâti pour arriver à redresser les coûts. Voilà. Donc, tout ça pour expliquer que si AGP Saint-Pierre, comme nos collègues comprennent la hausse de l'impôt, ce n'est pas parce que donc on ne comprend pas, mais simplement c'est qu'on voit très bien la situation et on ne veut pas le malheur pour Saint-Pierre-du-Perray. Par contre, effectivement, et c'est dommage, depuis l'élection, c'est vrai que nos deux groupes ont prouvé quand même donc, notre volonté de travailler ensemble. Et c'est vrai que si on avait été associés à la construction du budget, vous nous avez tout présenté en temps et en heure. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous avez été très transparent. Mais à la construction, on n'a pas été associé. Et c'est vrai que si on avait été associé à la construction, peut-être, hein, qu'on aurait pu trouver avec vous un moyen pour réduire l'augmentation à 5 points. Nous pensons qu'avec 5 points, on pouvait passer difficilement, peut-être, mais ça permettait quand même un point, c'est toujours donc. C'est 35 euros hein, de mémoire, un point d'impôt. Bien sûr, on avait pu soulager ne serait-ce que de 70 ou 80 euros cette année. Certains ménages, au moment où le Covid amène donc des réductions de salaire pour certains, si on prend un exemple, quelqu'un qui travaille chez Safran, donc pas loin d'ici, beaucoup sont aujourd'hui à 84% de leur salaire. Bon, ben, c'est vrai que si on avait pu reporter 100 euros d'effort de cette année sur l'année suivante, ça aurait été quand même beaucoup mieux pour ces personnes-là. Alors voilà, on ne condamne pas votre hausse d'impôt. Simplement, on se dit que c'est dommage qu'on n'ait pas travaillé davantage ensemble. On aurait peut-être pu trouver une piste pour pouvoir amoindrir l'effort cette année, quitte à lisser l'augmentation sur l'année prochaine pour le complément. Voilà un petit peu la situation donc, dans laquelle donc, on a décidé à la fois de valider l'idée d'une hausse des impôts, mais on ne peut pas effectivement valider le tout. Merci. Très bien. D'autres interventions ? Il y a un journal ? Oui, pardon. Bonsoir, Virginie de Bayeul. Donc, les habitants de Saint-Pierre sont en droit d'obtenir de la clarté quant à l'augmentation de la part communale de la taxe foncière choisie par le groupe majoritaire. Il s'agit là juste d'une intervention factuelle afin de répondre aux questionnements des habitants qui ont du mal à évaluer cette hausse. Dans votre live de vendredi dernier, Monsieur le maire, vous aviez dit qu'il s'agissait d'une augmentation à un chiffre sans stipuler s'il s'agissait d'un point ou d'un pourcentage. Donc, en fait, il est important de dire que la part... vous jouez sur le fait que l'intégration de la part départementale dans le pourcentage de l'augmentation. Et de ce fait, avec la départementale, on arrive à 19,28%, mais en réalité, sur le taux de la commune, il s'agit bien de passer de 19,94% à 26,94%, soit 35,11% d'augmentation. Voilà. Voilà, c'était juste afin d'être clair vis-à-vis des habitants. Donc la hausse est bien de 35,11% d'augmentation sur la part communale. Et sur le taux cumulé, elle est de 19,28%. Et tout ça, ça correspond à plus 7 points. Voilà. C'est quoi l'objectif de votre intervention ? Je ne peux pas comprendre. Pour répondre aux demandes des personnes qui ne savent toujours pas et qui confondent les points et les pourcentages. Voilà, juste pour être clair. Très bien. Bien, je vous remercie, monsieur Ablan, pour votre intervention très pertinente. Et puis. Je vous remercie de votre explication pour raconter l'historique de ce qu'est une mise sous tutelle. Ça va peut-être essayer de calmer un petit peu certaines ardeurs. Je réponds à votre question sur le fait de lisser dans le temps ce taux. On y a pensé, le problème c'est qu'on ne peut pas. C'est que 6 points étaient le minimum vital, 7, ça nous laisse une petite marge de sécurité. Mais 5, ce n'était même pas la peine, on ne passait pas cette année. Voilà, c'est tout. Maintenant, j'espère pouvoir vous intégrer plus facilement l'année prochaine dans la comptabilité de la commune. Mais il faut être très clair, le trou, enfin cette différence,
C'est ça le point majeur, c'est la différence entre les dépenses et les recettes laissées dans les exercices précédents. Et Mme Alico peut raconter ce qu'elle veut, c'est de sa faute et je le démontrerai, je prendrai le temps que ça faudra, je prendrai le temps que ça prendra. Mais tout ce qui vous arrive, c'est de votre faute, vous le savez en plus. Et, vous avez, et tant que vous ne vous excuserez pas auprès de Saint-Périen, je continuerai à dire que tout ce qui vous arrive, c'est de votre faute. Concernant, je le répéterai autant de fois que ça sera nécessaire. D'accord ? Voilà. Bien, on va passer au vote. Je vous remercie pour vos interventions, sinon pour le groupe Agir et le groupe Si on changeait. On travaille pour de plus en plus travailler ensemble, hein, à travers des éléments concrets, hein, enfin, des commissions, des actions concrètes. Sachez que cette année, ça a quand même été très compliqué de monter le budget. Entre l'audit du mois de novembre, la Cour des comptes, remonter une équipe comptable, parce que je voudrais quand même préciser ça, c'est que quand en juillet on est arrivé, il n'y avait personne. Rien. C'est pas de votre faute. Il n'y avait pas de service comptable, Madame Alico. Il n'y avait personne. Madame Linel, le DGS, voulait partir en retraite. Le DST, Monsieur Leclerc, voulait partir en retraite. Tout le monde se barrait. Je sais quoi, moi. J'attendais que ça se passe. On me reproche d'avoir embauché une DGS durant l'année 2020. Il fallait bien que j'organise les services. Il n'y avait pas d'organigramme. Il n'y avait rien. Comment ça, c'est fou, hein? Bon, enfin. Allez, j'arrête parce que... Il n'y avait pas d'organigramme, vous savez très très bien. Mais demandez au syndicat, votre organigramme n'est jamais passé en comité technique. Moi, vraiment, en juillet, c'est pénible d'entendre le... Ben moi, c'est pénible que vous ne vous excusiez pas devant les Saint-Périens. C'est extrêmement pénible. Et tant que vous ne vous êtes pas excusé, je continuerai. Parce qu'il est scandaleux que les Saint-Périens aujourd'hui, en difficulté, et vous avez raison, M. Turcot, se mettent en plus en difficulté pour payer les erreurs que vous avez faites, la gestion en autocratie que vous avez menée durant des années sur cette commune. Bien, je passe au vote. Bon, ça va être vite fait, je pense que ce sont ceux qui sont contre. Ça fait 10, ça fait, non, vous êtes que 9. Oui, ça fait 9. 9, ils sont que 9. 9. Ouais, vous n'êtes pas. Je vous rappelle que vous avez perdu les élections, Mme Alico. Vous n'avez peut-être pas remarqué aussi. C'était élégant. Ah, vous inquiétez pas, mais. Bien. Très bien. Y a-t-il des abstentions ? Donc, adopté la majorité, je vous remercie. On passe au point suivant. Qui est la présentation du budget primitif. On va présenter sur des slides. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont intervenir pour présenter le budget primitif. Si éventuellement le groupe Agir ou le groupe ne voit pas les slides, je ne voudrais pas que vous soyez pénalisés. Déplacez-vous, hein, éventuellement. Puisque la configuration de la salle aujourd'hui ne permet pas de... Pardon ? C'est ce qu'on a dans le dossier, non ? On a aménagé pour que ça soit plus simple à lire, parce que ce que vous avez dans le dossier, c'est du Word, et on a essayé de faire quelque chose de plus simple pour faciliter la lecture. Donc n'hésitez pas à vous déplacer si vous en avez besoin. Donc le budget, je vais parler quelques minutes, et après je laisserai la parole à André Garnier, qui est en charge des finances. Donc, si on peut passer au slide suivant. Donc, je vais passer les deux premiers slides que je vous ai déjà expliqués, que je réexpliquerai autant de fois qu'il est nécessaire. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui m'ont réclamé pour expliquer comment se construit un budget. Donc, on passe au point suivant. Donc, 2021, je vous rappelle qu'on n'a pas d'excédent de fonctionnement et on doit intégrer un déficit. Donc, je vous rappelle les grandes règles de la Chambre régionale des comptes. On va passer rapidement sur ces sujets-là. Donc, 2021, parlons du budget maintenant. Les grandes orientations de l'équipe politique majoritaire, ça sera tout le fil rouge durant l'ensemble de la mandature, c'est-à-dire pendant toute la mandature, on répétera systématiquement les 6 points que je vais vous indiquer, et tout le budget sera systématiquement construit sur la base de ce fil rouge. Le premier, ça sera toujours une ville propre et une ville verte. Le deuxième, ce sera une ville dynamique et une ville solidaire. Et le troisième, c'est une ville sûre et une ville sereine. Toutes les actions que nous avons menées durant 6 ans, voire au-delà, seront liées à ces 6 règles.
Pour cette année, les grandes orientations politiques sont une première année de redressement des comptes. On pense que nous avons pour 3 ans, mais pas 3 ans d'augmentation, mais 3 ans pour remettre des comptes Kodak d'équerre. Comme nous avons peu de moyens, nous pouvons faire très peu d'investissements. Nous allons faire de l'entretien et de la rénovation de notre patrimoine qui est nécessaire. C'est comme l'expliquera Jean-Pierre Zanotti, il y a très peu de choses qui ont été faites durant les années précédentes. Renforcer les effectifs des services pour répondre à l'augmentation de la population. Je vous rappelle qu'on a baissé entre 2014 et 2020 de 15% de nos effectifs, alors que dans le même temps, on accueillait 2000 personnes et qu'entre 2021 et 2022, nous allons accueillir 1000 personnes de plus pour des permis de construire que nous n'avons pas signés. Et enfin, réinventer, réduire les charges à caractère général, car qu'il faut faire des économies. Et donc, bien sûr, nous sommes preneurs de toutes les idées. Je vous remercie le jeune couple qui m'a téléphoné cet après-midi pour présenter une solution pour mieux expliquer les choses. Et on va travailler avec eux pour permettre à tout le monde de bien comprendre comment fonctionne un budget d'une commune. Et je les remercie de leur proposition. Alors, le BP, il se présente ainsi, en fonctionnement. Donc, vous connaissez maintenant le principe de l'investissement et du fonctionnement. En investissement, en fonctionnement, nous avons des dépenses recettes qui sont de 12 671 673 euros, donc aussi bien sûr en dépenses qu'en recettes, avec une augmentation de 9,2% par rapport au budget 2020, qui était bien sincère de toute manière. Et puis, on a des investissements, on baisse beaucoup, puisqu'on est qu'à 3 931 873 euros, ce qui nous donne un budget global de 16 603 546 euros. Une baisse de 1,84% par rapport aux années précédentes. 2020 n'étant pas vraiment un budget sur lequel on peut s'appuyer. Voilà, je laisse la parole à André Garnier pour vous présenter les points, les indicateurs qu'on regardera tous les ans. C'est-à-dire que tous les ans, on regardera l'évolution de ces indicateurs-là, qui sont, comme dans toute entreprise, des indicateurs d'avancement. Voilà. Merci. Bien, merci. Merci, monsieur le maire, et bonjour à tous. Donc, je vous présente sur ce tableau des chiffres qui correspondent, qui est une comparaison entre notre commune et une commune de strate équivalente, c'est-à-dire de population équivalente. Sur les dépenses réelles de fonctionnement, nous avons des dépenses de 984 euros par habitant, quand une commune de notre niveau dépense 1095 euros par habitant. Le produit global des impositions directes est de 635 euros par habitant, quand une commune équivalente est à 789 euros par habitant. Les dépenses d'équipement brut de la commune sont à 195 euros quand une même commune en dépense 280. La dotation globale de fonctionnement, qui est la dotation faite par l'État pour équilibrer les finances des communes, nous percevons 39 euros par habitant quand une commune de même nature reçoit de l'État 177 euros, alors même que nous sommes une commune qui reçoit tous les ans de la population nouvelle, et on peut s'interroger sur la raison de ce niveau très bas de la dotation globale de fonctionnement pour lequel nous avons posé un certain nombre de questions aux autorités de tutelle. Elle a baissé cette année alors que la population a augmenté. Cette année, elle a encore baissé de 25 000 euros. Je peux juste préciser un point, donc monsieur André Gagné a entièrement raison, c'est limite scandaleux cette différence entre ce qui se passe au niveau des communes qui sont équivalentes aux nôtres. Donc on a demandé au préfet de revoir cette DGF. Maintenant sur un autre sujet, je vous informe que j'ai prévenu l'État qu'il n'y aurait aucune construction sur les actes de Villeret tant que je serai maire. Voilà. Merci monsieur le maire. Sur le ratio dépenses sur recettes, bien on s'aperçoit effectivement que notre commune a 102% les dépenses, représentent 102% et les recettes 82% du budget. Donc effectivement, c'est ce qui constate le décalage que nous avons entre les dépenses et les recettes réelles de fonctionnement. Les dépenses d'équipement brut par rapport aux recettes réelles de fonctionnement sont un petit peu supérieures à la moyenne,
mais ce qui s'explique par le ratio précédent, elle est de 24% contre 22% pour une commune équivalente. Et sur cette base-là, donc, c'est ce qu'on vient de voter, que le nouveau taux communal de la taxe foncière nécessite une augmentation de 7 points pour passer à 26,94. Merci. Donc, je vais me permettre d'apporter quelques éléments sur les différents postes du budget de fonctionnement entre les ressources et les dépenses. Les dépenses de fonctionnement, et comme vous le constatez, 51% des dépenses de fonctionnement sont des dépenses de personnel. Et pour répondre à quelques questions qui ont été abordées tout à l'heure, je vais dire, et ça ne figure pas, que une commune de notre niveau dépense en moyenne 60% de ses dépenses de fonctionnement sur les dépenses de personnel. Aujourd'hui, nous sommes à 51% seulement, ce qui explique aussi la nécessité de restructurer l'ensemble des services pour apporter un service de qualité à l'ensemble de la population. Les charges à caractère général, qui est le poste 11, ce qui sont toutes les charges nécessaires au fonctionnement, concernant tout le fonctionnement normal de la commune, les écoles, les centres de loisirs, un certain nombre de choses, représentent 29%, c'est-à-dire que quasiment 80% des charges sont sur deux postes, essentiellement les charges de caractère général, qui sont des charges difficilement, sauf à supprimer des services, qui sont des charges difficilement diminuables, et les charges de personnel. Merci. Alors, dans le détail, vous avez un certain nombre de postes sur les dépenses de fonctionnement. Vous avez le chapitre 11 qui sont les charges à caractère général, donc qui servent pour toutes les charges dont la commune assume pour la gestion de l'ensemble de la municipalité. Ce chapitre est en progression de 5,25% par rapport au budget 2020, et ce malgré des économies conséquentes initiées dès 2020 et poursuivies en 2021. Au-delà de l'inflation prévue sur 2021, de plus 4,9%, cette augmentation est liée essentiellement au report de crédit demandé par la Chambre régionale des comptes à hauteur de 134 000 euros, ainsi qu'au coût de fonctionnement fluide et fonctionnement de l'école du nouveau groupe scolaire Saint-Exupéry, estimé à 140 000 euros. Une précision, sans ces deux postes, dont un poste exceptionnel qui est le report de crédit, ce poste-là aurait baissé de 2,66%. Et concernant le chapitre 12, les charges de personnel, elles augmenteront quant à elles de 6,7% pour tenir compte, comme chaque année, de l'effet glissement vieillesse-technicité résultant de l'évolution naturelle de la carrière des agents en poste, qui représente environ 2% par an. Au-delà, l'année 2021 supportera en année pleine la reconstitution de l'équipe financière dont on a parlé tout à l'heure. Enfin, l'année 2021 verra se poursuivre le renforcement et la réorganisation des équipes permettant d'assurer les fonctions essentielles à la bonne gestion d'une collectivité. De permettre une évolution de carrière aux agents publics et d'envisager la mise en œuvre des nouvelles orientations. Ainsi, au regard des éléments connus à ce jour, le budget 2021 intègre le recrutement de plusieurs agents à hauteur de 120 000 euros dans des secteurs divers, services techniques, services informatiques, services jeunesse, l'urbanisme, la voirie et les espaces verts, qui sont des sujets que l'on sait très chers au Saint-Péril. Au 31 décembre 2020, il convient de rappeler que la commune employait un total de 155 agents, dont 66,45% de titulaires et 33,54% de contractuels. Entre 2014 et 2020, les effectifs mesurés ont baissé de 15%, alors que la population, quant à elle, augmentait de plus de 2000 habitants. Sur le chapitre 14, atténuation de produits, elles sont en diminution de 15,04% par rapport au budget 2020. En 2020, le pourcentage de logements sociaux a diminué de 22,38% à 21,38%.
entraînant une augmentation du prélèvement annuel sur les ressources de la ville, conformément aux dispositions de la loi SRU. Pour mémoire, la loi Retem relative à la solidarité et au renouvellement urbain qui vise à recréer un équilibre social dans chaque territoire et à répondre à la pénurie de logements sociaux oblige par son article 55 certaines communes à disposer d'un nombre minimum de logements sociaux proportionnel à leur parc résidentiel, soit 25% dans le cas de Saint-Pierre-du-Perray. Quand cet objectif n'est pas atteint, il est opéré un prélèvement sur les ressources de la collectivité. La proportion de logements sociaux n'ayant pas évolué de manière significative, ce prélèvement devait être reconduit sur 2021. En 2021, seul le prélèvement correspondant à l'exercice 2021 est prévu, 2020 ayant supporté l'année 2020 et une partie de l'année 2019. C'est une charge supplémentaire de l'ordre de 30 000 euros pour l'ensemble de la municipalité. Le chapitre 65, charges de gestion courante. En ce qui concerne les autres charges de gestion courante, elles augmentent de 1,84%, soit de 22 000 euros. Le soutien de la municipalité aux acteurs de la vie associative sera préservé quant à la subvention de la ville allouée au Centre communal d'action sociale, sera maintenue avec l'augmentation constatée au budget supplémentaire de 2020, auquel on avait augmenté de l'ordre de 30 000 euros compte tenu des éléments sociaux liés au Covid, en raison de l'impact de la crise sanitaire liée au Covid-19. Au-delà, une gestion rigoureuse et juste sera développée quant aux subventions aux associations avec la définition de critères objectifs définis en commission municipale. Le chapitre 62.6 concerne les charges financières. Ces charges financières augmentent de 22 800 euros. Pour tenir compte de la charge du nouvel emprunt de 550 000 euros prévu par la ville pour financer ses investissements, au-delà, les frais financiers intègrent les intérêts de la ligne de trésorerie, 500 000 euros, souscrite par la ville pour faire face au paiement de ses fournisseurs et pour pallier au décalage de versement des subventions de ses différents partenaires financiers. Le chapitre 67 constitue les charges exceptionnelles. Les charges exceptionnelles, quant à elles, sont en forte augmentation par rapport au budget 2020, plus 409 000 euros, pour tenir compte des reports des crédits 2020 sur 2021 demandés par la Chambre régionale des comptes à hauteur de 340 000 euros et de nouvelles corrections comptables apportées, annulation de titres sur les exercices antérieurs et intérêts modératoires que la ville devra payer compte tenu du retard accumulé dans le paiement des factures antérieures à 2020 et dont le montant s'élève à 69 000 euros. Bien, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer sur certains dossiers. Il était intéressant que vous puissiez constater des économies qu'on a envisagées sur un certain nombre de postes. Donc je vais laisser la parole, je crois, de mémoire dans la construction des slides à Lisbeth, pour expliquer sur le budget scolaire, périscolaire, les actions qui ont été menées sur 2021. Merci Monsieur le maire, bonsoir Mesdames et Messieurs. Alors l'ensemble du budget a été établi avec pour unique objectif d'offrir aux enfants des services de qualité. Toutefois, au vu de la situation financière, nous avons été contraints de le revoir à la baisse, bien malheureusement. Nous l'avons divisé, je vous l'ai divisé en plusieurs parties. Alors, pour les sorties scolaires, 24 euros par élève ont été attribués au lieu de 22 euros précédemment pour permettre des sorties ou la venue d'intervenants de qualité. Les enfants vivant déjà la situation du Covid qui est très difficile, il nous semblait important qu'ils puissent avoir un peu de divertissement, de sorties culturelles. La décision a été prise en septembre, alors que nous ne connaissions pas encore l'ampleur des difficultés financières. L'intégralité du budget alloué n'a pas été utilisée par les enseignants, ce qui nous laisse une économie de 1 000 euros. Sur les fournitures scolaires, le budget initialement proposé visait à retrouver progressivement le niveau de 2014. En 2014, alors la feuille que vous avez n'est pas la bonne, puisqu'on a corrigé, et je pense que la feuille corrigée n'a pas été intégrée.
Donc moi j'ai une petite complicité. Je vais m'excuser, c'est moi qui... C'est pas grave, mais je vais vous donner les bons éléments. Donc, en 2014, les allocations pour les... Enfin, l'attribution pour les élèves était de 35 euros par élève en élémentaire et de 30 euros en maternelle. Elle était en 2020 de 26 euros par élève en élémentaire et de 22 euros par élève en maternelle. Elle a déjà été plus basse et a été remontée après. Alors, sur le budget initial que nous avions prévu, et nous voulons aussi supprimer l'inégalité entre maternelle et élémentaire, parce que même si les maternelles n'utilisent pas des cahiers et des livres, ils utilisent d'autres matériaux qui sont également très onéreux. Le budget initial proposé était de 26 euros par élève en maternelle au lieu de 22 euros précédemment, 26 euros par élève en élémentaire au lieu de 25, et 31 euros au lieu de 25 pour les classes de CP et CE1 qui utilisent des fichiers consommables pour la lecture et les mathématiques et qui doivent les renouveler chaque année. Nous avons donc baissé au vu de la situation financière et nous l'avons ramené à 24 euros pour les maternelles, 26 euros pour les élémentaires, et 29 euros pour les CPCE1. Cela nous a permis une économie de 1 500 euros. Nous espérons, en cours de mandat, réussir à rattraper les 35 euros qui étaient initialement attribués aux élèves en 2014. Les classes de découverte ne peuvent pas avoir lieu cette année, n'ont pas eu lieu l'année dernière non plus, et nous avons voulu les remplacer par l'EMA, théâtre et danse, à destination des CE2, CM1, CM2. Le coût de 3 500 euros, au lieu de 6 500 euros pour une classe de découverte, donc cela nous fait également une économie de 3 000 euros. Sur le budget petit équipement pour les écoles, le budget initial était de 5 000 euros, nous l'avons réduit à 3 000 euros, ce qui fait une économie de 2 000 euros. Sur le fonctionnement des services, le budget initial de 6 500 euros a été réduit à 4 000 euros, soit une économie de 2 500 euros. Pour ce qui concerne le périscolaire, alors sur le périscolaire, il y a deux postes, l'accueil et le centre de loisirs. Pour l'accueil, qui concerne matin, midi et soir, nous avons supprimé l'attribution d'une somme de 3 000 euros par école, pour la remplacer par une attribution en fonction du nombre d'élèves. Chanteurs, chanfades auront donc 2 400 euros, Anne-Franck 3 600 euros, Manurema 4 300 euros, et quatre saisons qui intègrent Saint-Exupéry jusque juin, 4 200 euros. Il est prévu ensuite 3 000 euros à l'ouverture de Saint-Exupéry. Cela nous a semblé plus juste pour que les animateurs puissent proposer aux enfants des activités de qualité. Sur le centre de loisirs, le mercredi et les vacances scolaires, nous avons décidé de financer des projets pédagogiques plutôt que d'allouer une somme fixe. Pour Gavroche, nous sommes à 28 400 euros au lieu de 23 000 euros en 2019 et pour Manurema, 30 000 euros au lieu de 26 600 euros en 2019. Toutefois, l'élaboration de ces projets nous a permis de demander 6 000 euros de subvention CAF, ce qui nous permet de réduire la dépense. Pour la restauration scolaire, donc la cantine, le budget prévisionnel était de 557 000 euros au lieu de 473 000 euros en 2019. Si nous avions gardé l'ancien prestataire, le coût aurait toutefois été de 545 000 euros et non pas de 473 000 euros, puisque l'augmentation des tarifs est en grande partie due à la loi Egalim, qui impose plus de bio, plus de local, ainsi de suite. Le nouveau prestataire coûte donc 12 000 euros de plus que ce que proposait l'ancien prestataire, mais en contrepartie, il propose plus de local, plus de bio, plus d'animation et moins de surgelés. Par ailleurs, grâce au travail journalier de Mme Côté qui parvient à ajuster au mieux les réservations à la consommation réelle, nous sommes parvenus à économiser 15 000 euros, ce qui fait une économie non négligeable. Et sur le fonctionnement des cantines, le budget initial de 24 500 euros a été réduit à 23 500 euros, ce qui fait encore une économie de 1 000 euros. Vous voyez donc que nous avons cherché sur tous les postes tout ce que nous pouvions économiser partout, tout en proposant quand même aux enfants un service de qualité. Je vous remercie. Naviguer sur la culture.
bonsoir à tous. Donc, comme vous le savez, le budget de la culture et de la médiathèque représente une part infime du budget général de notre commune. Et il est toujours difficile, quand on a des petits budgets, de faire des coupes sans mettre à mal le fonctionnement même du service. Mais cependant, nous avons quand même cherché des économies, bien sûr. Donc, à la médiathèque, on l'avait vu en commission, on a réduit le budget de 1 700 euros. En ce qui concerne la culture par rapport au budget initial, nous avons supprimé le projet de street art qui était surtout pour le centre de loisirs, donc ça fait une économie de 5 000 euros. Et comme l'a dit monsieur le maire, eh bien, il faut se réinventer. Alors se réinventer, ça passe par exemple la recherche de subventions. Et donc comme vous le savez, puisqu'on l'a voté en conseil municipal, nous avons donc signé avec le conseil départemental de l'Essonne un contrat culturel de territoire et nous attendons donc une recette de subvention de 8 430 euros, ce qui n'est pas négligeable. Je voudrais d'ailleurs en profiter ici pour remercier les services, tant la médiathèque que le service culturel, qui en un temps record ont monté ce dossier de subvention. Se réinventer, ça passe aussi par la mise en place de résidences d'artistes. Alors, c'est déjà le cas à la médiathèque Pierre Segers, puisque nous avons une résidence d'artistes avec une compagnie qui s'appelle le Petit Théâtre. Et ces résidences d'artistes, ça permet d'avoir des créations sur place à Saint-Pierre et donc d'avoir des spectacles à moindre coût, voire gratuits. Et nos élèves en ont déjà bénéficié, puisque malgré la crise du Covid, l'inspectrice d'académie a quand même autorisé les classes à se rendre à la médiathèque pour assister à des spectacles. Et je peux vous dire qu'ayant assisté à un spectacle avec des CP de Malgréva, c'est une vraie respiration, une vraie joie pour les enfants de sortir de l'école et d'aller assister à un spectacle à la médiathèque. Donc il y a les trois classes de chant de fleurs maternelles qui ont déjà assisté à ce spectacle, une classe de 4 saisons maternelles, un CE1 de 4 saisons et un CP de Malgréva. Dès que la situation sanitaire ira mieux et que les classes auront le droit de retourner à l'école, ces spectacles à la médiathèque reprendront pour les autres écoles qui n'ont pas pu encore y assister. En ce qui concerne ces mêmes spectacles, cette fois pour le public, toujours à la médiathèque, ils seront reportés à l'automne, nous l'espérons. Je voulais en profiter pour dire un mot sur la médiathèque, dire que c'est un service gratuit, si vous êtes Saint-Péréen, vous pouvez accéder gratuitement auprès de documents auprès de la médiathèque. Malgré le Covid, la médiathèque reste ouverte. Alors, vous n'avez pas le droit de rentrer physiquement dans la médiathèque. La médiathèque est ouverte sous forme de guichet aux heures habituelles d'ouverture de la médiathèque. Et il vous suffit d'appeler ou de simplement par Internet, sur le site de la mairie, vous pouvez accéder au fonds documentaire de la médiathèque et réserver vos livres. Se réinventer, ça passe aussi par la mutualisation des coûts. Et par exemple, cette année, la fête de la musique n'aura pas lieu le 21 juin, mais elle aura lieu le 26 juin et sera couplée à un autre événement qui aura lieu ce même jour sur la commune. Se réinventer, ça passe aussi par de nouveaux partenariats, et notamment GPS. Et donc, cette année, notre commune va participer au Wall Street Festival Art, et pour la session 2021, et donc ce projet va avoir lieu prochainement. D'ailleurs, les membres de la commission culture, vous avez certainement reçu cet après-midi un mail qui vous propose de choisir l'artiste qui viendra sur la commune de Saint-Pierre courant juin ou courant septembre. Donc nous avons la chance d'accueillir un artiste qui fera une œuvre monumentale qui se situe. Enfin, nous avons choisi l'école Manureva et le mur du logement qui est situé sur le parvis de l'école avenue Manureva, qui donc accueillera une œuvre de street art. Et c'est une action qui ne coûte rien à la commune, qui est financée entièrement par GPS. Et à cette occasion, pendant la semaine où durera la réalisation de l'œuvre, les enfants d'abord et les Saint-Péréens seront invités à choisir l'œuvre en amont, à voter pour l'œuvre que vous voudrez avoir sur ce mur. Et pendant toute la semaine, je vous invite à venir voir la réalisation de cette œuvre. Voilà. L'idée au niveau de la culture,
c'est de toujours vous proposer des actions culturelles de qualité pour un moindre prix. Donc effectivement, ce sera inventé et comptez sur nous pour vous proposer des actions culturelles de qualité sur notre commune. Je vous remercie. Merci, merci Annick. Il y a un gros travail sur la qualité. Moi, je pourrais remercier Annick et tous les services parce que pour aller chercher GPS pour l'opération Street Art, j'y croyais pas trop, mais félicitations pour avoir réussi à les convaincre. Bravo. On passe à M. Jean-Pierre Janotti pour les fonctionnements sur les services techniques. Alors, en ce qui... Bonsoir, M. Lain. En ce qui concerne le domaine du cadre de vie et des travaux dont j'ai la, charge, donc des services techniques, je vais faire un zoom sur la partie espace vert, parce que la partie espace vert figure bien dans le budget de fonctionnement. C'est considéré comme de l'entretien, de la maintenance ou des fournitures, donc ça figure dans le budget de fonctionnement et non pas dans le budget d'investissement. Trois choses sur les espaces verts qui rentrent dans l'objectif, enfin l'un des objectifs ou le fil rouge que présentait M. le maire tout à l'heure de Saint-Pierre-Ville-Verte. Un gros poste, c'est l'entretien des espaces verts pour 301 900 euros sur 2021. Donc c'est le prestataire qui est utilisé par la ville. Et ce sont tous les travaux de tombe, de taille, de haies, de ramassage de feuilles, d'entretien des massifs, etc. En ce qui concerne le fleurissement, donc c'est un petit budget, 35 000 euros TTC, ce sont les fournitures de fleurs, les petits aménagements, et ce sera en partie un budget utilisé par le comité de fleurissement qu'on a commencé à mettre en place, qu'on est en train de mettre en place, c'est-à-dire qu'il sera composé d'habitants volontaires, mais qui n'a pas pu démarrer encore ses travaux à cause de la COVID. Et enfin, le troisième point sur la partie espace vert, c'est le budget et la gage à battage. Alors là, on a fait un plan pluriannuel de fonctionnement en ce qui concerne les lagages pour une somme de 160 000 euros en 2021, ce qui correspond à 630 arbres élagués dans l'année. Donc, ça paraît beaucoup, 160 000, mais en fait c'est peu vu le nombre d'arbres que l'on compte sur la commune. Alors les services m'ont dit cet après-midi, c'est un recensement de 2019, que nous comptons 4554 arbres. J'ai pas le nombre de feuilles, hein, j'ai juste le nombre d'arbres. Ça a peut-être bougé un peu depuis 2019. Enfin voilà, environ 4500 arbres sur la commune. Le budget de 160 000 euros nous permet d'en élaguer 630. Juste pour rappel, parce que ça paraît un chiffre élevé, et en effet, c'est beaucoup plus élevé que les années précédentes. Nous étions en 2018 à environ 40 000 euros, en 2019 à 75 000 euros, et en 2020, après augmentation du budget, à 105 000 euros. Sauf que on avait repris un retard monumental en termes d'élagage et d'abattage, et il a fallu mettre le paquet sur les derniers temps. Pour éviter que les branches, il y avait des endroits où les branches tombaient sur les trottoirs, c'est-à-dire que les piétons ne pouvaient plus passer, ou quand les camions passaient, ils prenaient le milieu de la route, ou les voitures même, sinon ils accrochaient les branches. Donc il y avait un gros retard en matière d'élagage à
faire. Et nous avons pour l'élagage donc environ un budget de 160 000 euros. Alors, ça varie d'une année sur l'autre, mais on a chiffré à 135 000 sur l'année 2022, 160 000 sur l'année 2023, un peu moins 116 000 sur l'année 2025 et 121 000 ou 122 000 sur l'année 2026, car on se donne la durée du mandat, la durée de la mandature, pour rattraper le retard qu'il y avait sur l'élagage, de manière à ce que la future mandature puisse reprendre une vraie politique d'élagage et d'abattage qui respecte la vie des arbres. Vous savez, certains arbres doivent être élagués tous les 2-3 ans, d'autres beaucoup plus, en fonction de l'essence de ces arbres. Donc voilà, alors c'est un choix, hein, c'est un choix politique, mais de respect des arbres de notre commune. On est obligé d'en passer par là. Voilà, je veux juste dire deux, trois mots en plus sur le budget plutôt service technique, parce que les gros postes sur le budget service technique, les grosses parties, ce sont ce qu'on appelle les fluides bâtiments, c'est-à-dire l'eau, le gaz, l'électricité, et que ça, ce sont des dépenses incompressibles que l'on a, puisqu'il faut bien de toute façon que l'on fonctionne et que l'on paye l'eau, le gaz, l'électricité. Ce sont celles des contrats d'entretien des bâtiments, et il faut entretenir nos bâtiments. Ce sont les bureaux de contrôle qui sont obligatoires. Et puis ce sont toutes les prestations de services. J'en ai cité quelques-unes hein, sur les lagages ou les espaces verts. Les économies qui ont pu être réalisées, je donne un exemple, hein, c'est par exemple le nettoyage des vitres. Donc on a des bâtiments avec beaucoup de vitres, ça coûte très cher, hein, parce que certaines sont faites de telle manière qu'il faut de l'appareillage pour pouvoir nettoyer. Donc on a plutôt que de nettoyer deux fois par an, ce qui était la norme habituelle, on est passé à une fois. Et la deuxième chose, c'est que malgré les économies, il y a la légère augmentation du budget, c'est parce qu'il y aura les 4 mois de Saint-Exupéry, donc il va peser lourd quand même sur le budget, même si c'est que 4 mois, et puis par la reprise de la maison médicale à partir de 2021, je crois. Où on a eu déjà hein, dès qu'on a repris la maison médicale, de gros problèmes de maintenance et d'entretien. Donc voilà ce que je voulais dire sur le budget fonctionnement concernant les services techniques. Très bien. J'en profite moi, pour... alors c'est pas l'autosatisfaction, parce que je suis maire, mais ce matin j'étais dans la commune pour... j'ai déposé ma voiture au garage, donc j'ai ensuite été à pied jusqu'à la mairie. Et je voulais féliciter les services techniques parce que je trouve que la commune est assez jolie. Voilà, c'est pas l'autosatisfaction, mais alors je sais qu'aujourd'hui les CST sont beaucoup plus rigoureux sur les travaux que font nos prestataires, et je trouvais que nos pelouses, nos arbres, nos ronds-points étaient relativement jolis. J'espère que vous l'appréciez également. Voilà. Un petit mot sur les effectifs, mais bon, André Garnier l'a dit, je vais peut-être pas le répéter, hein, c'est systématique dans un budget, on doit présenter la situation des effectifs. Donc on l'a dit, hein, nous sommes 155 agents au 31/12 de l'an dernier, on a perdu 15% des effectifs, on va pas le répéter. Et ce que tout le monde doit comprendre, c'est que on ne peut pas fonctionner dans une commune comme la nôtre avec toutes les demandes qu'il y a, parce qu'il faut savoir qu'on a des demandes de partout, avec les effectifs qu'on a, on a un flux tendu de partout. Donc on a besoin de se réorganiser, on a besoin d'avoir des professionnels autour de nous pour aider les équipes déjà en place. Principalement, je prends juste un exemple, hein, mais un gestionnaire de marché, c'est absolument indispensable. Quand on sait qu'on a un certain nombre de marchés qui ont été gérés je ne sais pas comment, quand on découvre aujourd'hui qu'on a des assurances voitures pour des voitures qu'on n'a plus depuis 2 ans, voilà, des exemples de ce qu'on découvre tous les jours. Je ne veux pas enfoncer le clou, mais tous les jours, je découvre quelque chose à venir. Tous les jours.
Donc on est obligé de se renforcer pour avoir un service de qualité, pour que vous soyez content de venir dans notre mairie, pour que vous soyez content que les habitants soient heureux de vivre à Saint-Pierre. Donc on doit se renforcer sur l'espace technique, on doit se renforcer sur la place municipale, on doit se renforcer sur les assistants administratifs, parce que tout ça, ça ne se fait pas comme ça. On a besoin de monde pour faire tout ce qu'on a à faire. Je pense à Mme Côté sur le comptage tous les jours du nombre de repas pour être au plus juste, pour éviter d'avoir trop de surplus. Ça, le travail que j'ai travaillé une matinée avec elle, je peux dire c'est du boulot. Hein. Voilà. Voilà, sur ce sujet-là, c'est, je pense qu'on peut passer. Ensuite, c'était... Alors ensuite, on a les subventions. Alors, je ne pense pas qu'on va les passer parce que c'est très très long. Donc sachez que sur les subventions de Garnier, Annick Viguier et Armel Rosier ont fait un gros boulot. Alors je remercie Armel Rosier qui a fait un gros boulot sur les associations militaires. Parce qu'il fallait un peu réaménager tout ça, Armel. Et donc, on ne comprenait pas très bien, parce que certaines associations avaient 700 euros, 300 euros, 400 euros, on ne comprenait pas bien. Donc elle a remis tout ça d'aplomb, elle les a tous vus. Et on les remercie d'ailleurs de leurs efforts, parce qu'on a mis tout le monde à 500 euros. Parce qu'il faut aider les associations militaires, c'est eux qui viennent systématiquement dans toutes les cérémonies avec leurs drapeaux. Il faut qu'ils soient là, il faut qu'on leur rende hommage, c'est nos anciens combattants. Et c'est relativement important. Alors, dans la M14 que vous avez reçue, il y a eu un oubli. Il n'y a pas les chiffres des militaires et on va vous les remettre sur table tout de suite pour ne pas qu'on les pénalise et qu'on doit attendre juin pour leur verser leur subvention. Donc vous allez avoir sur table dans un instant la délibération concernant les subventions pour les associations militaires. Concernant les autres associations culture, je ne vais peut-être pas toutes les passer en revue. Je sais juste que dans les commissions, les critères ont été complètement revus. Pardon ? Oui, ce que je voulais dire, c'est que les critères n'ont pas été revus, ont été complètement revus pour être appliqués l'an prochain. On n'avait pas le temps de les mettre en place pour cette année. Ce que je veux dire, c'est que ça sera des critères plus justes, plus équitables, et surtout, ça ne se passera pas dans mon bureau. Voilà. Donc, Alors, aussi, une chose très importante sur les associations. On a la chance, dans cette commune, d'avoir des associations extrêmement responsables. On l'a déjà dit, on a gagné la team, mais je pense qu'il faut insister, il faut les féliciter. D'une part, il y a des associations qui nous ont dit ben, on n'a pas besoin d'argent cette année, on n'a rien fait. Donc ne nous donnez pas d'argent, ce n'est pas la peine. Je crois qu'il faut leur tirer le chapeau sur ce coup-là. Des associations qui nous ont dit donnez-nous moins, parce que ce n'est pas la peine de nous donner parce qu'on ne va pas faire grand-chose à cause du Covid. Donc je crois que c'est extrêmement responsable de leur part. D'autre part, il y a par contre des associations où moi c'est très clair, l'argent public, c'est notre argent. Et quand on remet un dossier qui est à moitié rempli, et ben ce dossier-là, il dégage. Moi, je veux qu'on nous explique ce qu'on fait avec notre argent public. Alors autant j'ai des associations qui sont extrêmement responsables, sérieuses, autant moi, quand j'ai des dossiers où je n'arrive pas à lire ce qu'il y a dessus, c'est même pas la peine. Voilà, je pense qu'on peut passer. Et ensuite, on finit sur le chapitre 65. Ouais. Alors également... Il y a des associations que Nadège va s'occuper dans le cadre de sa commission pour faire un recensement de toutes les commissions, de toutes les associations type dites de solidarité ou sociale, pour faire vraiment un point de ces associations, parce qu'en fait on donnait 100 euros à des associations, on n'avait jamais aucun retour, on ne sait pas ce qui se passait. Voilà, donc on a tout remis à plat, d'accord. Et je compte sur Nadège, je compte sur toutes les équipes pour... que chaque euro dépensé soit à bon escient dans l'intérêt de l'ensemble des habitants. Tu veux dire un mot sur le chapitre 65 ou c'est pas la peine ? Bien. On présente sur le tableau le chapitre 65 qui concerne de mémoire les autres charges qui sont courantes. Voilà, de quoi est constitué ce poste à hauteur de 1 232 038 euros. La redevance pour concession de brevet licence qui est de 15 600 euros. Les indemnités des élus et la formation des élus à hauteur de 172 100 euros dans le cadre des dispositions légales. Les créances irrécouvrables diverses et variées à hauteur de 5 000 euros. Les contributions au syndicat intercommunal de la petite enfance et de la jeunesse et le syndicat intercommunal à vocation à objet multiple pour 865 000 euros.
les subventions au CCAS à hauteur de 94 000 euros et l'ensemble des subventions aux associations à hauteur de 77 938 euros. Et les autres secours et services, comme l'incendie, la sécurité, à hauteur de 2 400 euros. Voilà pour les grandes lignes de ce qui constitue les dépenses du chapitre 65 entre charges de gestion courante. Sur les recettes de fonctionnement, globalement 80% des recettes proviennent de l'imposition et des taxes, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on a vu, c'est effectivement sur ce point qu'on peut arriver à équilibrer l'ensemble du budget. L'autre partie importante, c'est les 8,46% des dotations et participations. Et pour le reste, vous voyez que 90% de nos recettes sont constituées de deux postes, avec un autre poste à 8,10%. Merci. Sur les recettes de fonctionnement. Le solde d'exécution, qui est l'excédent reporté du budget antérieur, étant donné que nous n'avons pas la situation réelle des réalisés sur l'exercice 2020, nous avons mis un chiffre à zéro dans l'attente de la situation définitive. Les atténuations de charges baissent de 86%. C'est une baisse qui est uniquement technique, c'est-à-dire que sur les budgets antérieurs, les remboursements d'arrêt maladie ou d'ensemble du personnel étaient mis dans ce budget, dans ce poste 13, et en fait il a été transféré sur le poste 77 dont on parlera tout à l'heure. Donc il baisse, et en fait c'est uniquement un transfert de chapitre, d'un chapitre sur l'autre. Le produit des services, c'est tous les services qui sont facturés aux familles, le périscolaire, la partie du scolaire, la cantine, toutes les activités mis en place par la municipalité et qui donne l'objet d'un paiement de la part des familles, effectivement, est en augmentation de 46% parce que l'année dernière, c'est un poste qui a subi une forte baisse du fait de l'arrêt des activités liées aux différentes périodes de confinement. Le poste 73, impôts et taxes. Concernant les produits issus des impôts et taxes, il progresse fortement de 18,05% par rapport au budget 2020 pour tenir compte de la réforme fiscale concernant la taxe d'habitation d'une part, mais aussi et surtout pour répondre à l'enjeu de résorption du déséquilibre dépenses-recettes constaté sur les budgets précédents et du déficit d'autre part. Il est à noter que l'augmentation des taux de fiscalité constitue le seul levier techniquement possible dans le délai imposé par la Chambre régionale des comptes pour répondre aux enjeux majeurs d'équilibre réel budgétaire. Ainsi, il paraît inéluctable que le Conseil municipal se prononce et s'est prononcé sur une augmentation de la fiscalité de la taxe foncière. Le poste 74, dotation et participation. Les dotations et participations diminuent de 22,93%. Elles concernent principalement le reversement du contrat enfance-jeunesse par le CIPEJ à la ville et reviennent sur un niveau habituel en 2021. Pour mémoire, le budget 2020 prévoyait le rattachement du reversement du CEJ du CIPEJ de 2018 sur l'exercice 2020, mais déjà prévu sur le compte administratif de 2019 et l'inscription du versement de 2019 sur l'exercice 2020. En 2021, seul le reversement de 2020 a été prévu. En clair, on avait imputé sur le même exercice deux années de reversement de la part de ce poste. Et il intègre aussi la DGF, et comme je l'ai dit tout à l'heure, la DGF subit une baisse par rapport au budget 2020 de 25 000 euros. Le chapitre 75, autres produits de gestion courante. En ce qui concerne les autres produits de gestion courante,
Ils sont en augmentation de 34,33% par rapport à 2020. Pour tenir compte de la reprise de la gestion de la maison médicalisée par la ville depuis le 1er janvier 2021, c'est-à-dire que préalablement, les baux étaient gérés par une société immobilière extérieure qui facturait des services et qui diminuait effectivement la rentabilité générale des locations, et par l'arrivée de nouveaux praticiens, dont en année pleine sur 2021. Le chapitre 67, produits financiers, bon, on ne va pas s'attarder dessus, il était à 6 euros, il reste à 6 euros. Le chapitre 77, produits exceptionnels. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il augmente fortement de 131 000 à 222 000 euros parce qu'ils reçoivent le transfert de ce que nous avions, dans les autres produits de gestion courante. Transfert une partie sur ce poste-là. Voilà. Transfert de dames. Concernant le chapitre 42, opération de transfert entre sections, il est stable à 5207 euros en stable. Il n'y a pas de 0,01, mais 0%. Voilà, pour un budget global de recettes de 12 671 673 000 euros. Tu peux, pas celui-ci, mais c'était les chapitres 70. Ce qui est intéressant, c'est le chapitre 73 de mémoire, qui est la totalité des impôts et taxes, pour comprendre tout ce qu'il y a dans le chapitre impôts et taxes. Juste celui-ci, merci. Tu présentes Oui. Donc on va reprendre un petit peu, on va reprendre quelques chapitres un peu plus dans le détail, notamment le chapitre 73, avec des impôts directs qui représentent 8 506 814 euros, d'autres impôts locaux ou assimilés à hauteur de 18 000 euros, l'attribution de compensation par GPS, c'est la partie que, je rappelle simplement que GPS perçoit l'ensemble du produit de ce qu'on appelait préalablement la taxe professionnelle, et GPS nous reverse une contribution annuelle de 966 000 euros. Le fonds, le FNGIR, s'élève à 185 800 euros, le fonds de réglementation des ressources communales à 20 000 euros, et la taxe additionnelle aux droits de mutation à 545 000 euros. La taxe additionnelle aux droits de mutation, c'est ce que perçoit la municipalité sur les cessions d'actifs immobiliers, pour un total de 10 141 614 euros. Sur le chapitre 74, le fonds de compensation de TVA à hauteur de 36 580, il s'agit bien du fonds de compensation de TVA sur les dépenses d'investissement, c'est comme nous ne récupérons pas la TVA de façon directe, on la récupère par le biais de ce fonds de compensation de TVA que reverse l'État. Dans les autres recettes, les affaires générales pour 3500 euros, les finances pour 3000 euros, l'informatique pour 1180 euros et la médiathèque pour 2000 euros, la culture 1000 euros, la direction des finances à hauteur de 260 000 euros, donc c'est de mémoire la DCR, voilà. La jeunesse, 4 000 euros, les activités périscolaires pour 120 000 euros, le centre de loisirs Manu-Rubert, 3 000 euros, et le centre de loisirs Gavroche pour 3 000 euros. La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, de la taxe d'habitation à hauteur de 31 800 euros, l'attribution du fonds départemental de péréquation pour 49 920 euros, la compensation au titre des exonérations pour 32 000 euros, et la compensation au titre des exonérations de la taxe d'habitation, pardon, excusez-moi, je m'étais trompé tout à l'heure, merci, de 119 845 euros pour un total de 1 072 040 euros. Et on va passer à l'investissement. Donc,
tout dans l'investissement, il y a comme d'habitude, il y a deux postes, hein, les dépenses et les recettes. Donc tout ce qu'on appelle immobilisation corporelle et incorporelle, soit incorporelle, c'est tout ce qu'on va développer durant cette année dans les travaux qu'on va nous présenter d'ici un instant, Jean-Pierre Janotti. Je te laisse finir. Bien, concernant la section d'investissement, le montant des dépenses globales de la section d'investissement est de 3 931 873 euros. Habituellement, pour financer les dépenses d'investissement, on fait un report des excédents du budget de fonctionnement, mais comme cette année on n'en a pas, il n'y a pas de report d'investissement. Concernant les subventions d'investissement, pour le moment, nous n'avons pas de décision définitive sur les dossiers qui sont en cours pour rechercher des subventions, donc nous ne les avons pas intégrées. De la même manière, concernant les subventions d'équipement versé, que nous admettons à zéro, puisque nous n'avons pas encore tous les éléments permettant de chiffrer véritablement la nature et le montant des subventions que l'on peut recevoir. Sur les immobilisations incorporelles, il y a 175 500 euros sur le poste 21. Les immobilisations corporelles pour 3 242 066 euros. C'est ce que, une partie de ce que vous avez parlé aussi, M. Janotti, concernant le plan pluriannuel d'investissement. Les opérations patrimoniales et des emprunts et dettes assimilées à hauteur de 324 000 euros afin de financer l'ensemble des. C'est le remboursement auquel, excusez-moi. C'est le remboursement en capital des emprunts antérieurs que nous faisons tous les ans. Et les opérations de transfert de notre section pour 5 207 euros. Voilà pour les dépenses d'investissement. Donc 82,46% constituent un seul et même poste et le reste étant réparti dans 4 postes différents. Mais effectivement, c'est essentiellement les immobilisations corporelles et incorporelles qui constituent l'essentiel des dépenses. Oui. On va peut-être laisser la parole à Jean-Pierre Janotti qui va nous expliquer un peu le PPI. Le plan pluriannuel d'investissement. Je vais poser le masque, ça ira un peu mieux. On commence par l'acquisition de l'année 2021, qui est l'achat du CPM pour la voirie. Donc je crois que Dominique Véraud l'avait, c'est au dernier conseil municipal, qu'il avait annoncé. Pour que tout le monde soit bien refait, hein, donc notre idée, c'est que dans le service technique, il y a 3 départements, espace vert, voirie, bâtiment. Aujourd'hui, ils sont tous situés au même endroit. On a préempté un bâtiment dans les Alpes du Trou-Brion pour installer la voirie, de manière à ce que le bâtiment puisse s'agrandir dans l'emplacement là où ils sont. Oui. Également, on a la validation de l'ensemble du service technique pour l'acquisition du bâtiment. Oui, tout à fait. Et puis la mise en forme de ce qu'on appelait jusqu'à ce jour le nouveau CTM qui n'était pas adapté à une utilisation par les services techniques. Les grands projets ont été échelonnés sur plusieurs années. Ils sont au nombre de 4. Donc le pôle commercial, où on commencera 2021 sur les études, 2021 et 2022, études et travaux, et puis les travaux courant l'année 2023. Le pôle, ce qu'on appelle le pôle culturel, faut que je donne plus de précisions sur les endroits où ça se situe, où ça, tout le monde a suivi ça, hein, quand même, à peu près. Le pôle culturel, donc quartier des anciennes mairies, disons. Démarrage des,
des études en 2022-2023 pour travaux 2024 et ou 2025. L'extension du service jeunesse, donc ça tient les cuisines et sanitaires, je crois, dans le carré du nouveau service jeunesse, études en 2021, fin des études et réalisation des travaux 2022. Et puis, on a noté l'agrandissement du parc des sports, simplement pour mémoire, parce que c'est financé, ils ont des travaux financés par GPS pour un montant qui sera, je crois, de 4 100 000 euros, si j'ai la bonne info. Comme je l'ai expliqué à l'ensemble du conseil municipal, GPS souhaite que nous récupérions les... Aujourd'hui, il faut savoir que le parc des sports est acheté et géré par l'agglomération. Une délibération qui daterait de 2018 aurait défini que nous devions récupérer ces équipements au niveau communal. Donc les négociations sont en cours parce que il n'est pas du tout évident pour nous de récupérer ces équipements avec la charge que ça amène. Voilà. Ok, merci. Bien, ensuite, donc, sur les travaux de mise en conformité des bâtiments, je vous en parle si vous le pour un montant de 454 000 euros en 2021. Je vous en parle juste après, si vous en êtes d'accord. Ensuite, il y a toute une série de travaux, et notamment des travaux de toiture, donc de montant assez important, 350 500 euros en 2021. Et puis d'autres montants suivantes, principalement sur les travaux de toiture, c'est Manureva, sur 2021, hein, c'est Manureva, Chantefleur, Chantefable, Jean Villard, je ne vois pas très bien parce qu'il y a la nuit, il y a de la lumière est coupée et ma vue a baisse d'année en année, c'est étonnant. Non, c'est pas étonnant, ça arrive à tout le monde. C'est normal, bon, d'accord, alors, ok, ça me rassure. Ok. Je n'ai pas cité, quatre saisons, parce que sur quatre saisons, les travaux sont en cours, les travaux sont en cours actuellement, mais sont financés sur le budget de 2020. Ensuite, des travaux de réfection de bâtiments sur les autres corps d'État pour un total de 784 000 euros en 2021. En 2021. Et puis, alors, beaucoup plus sur l'année 2022, 1,9 million. Merci. Donc là, ça touche, sur 2021, ça touche principalement, les sites pas tous, hein, Champ de Fable sur la réfection des sanitaires, les ateliers municipaux CTM, donc il y a des travaux à faire sur le CTM actuel, qui sont prévus depuis déjà pas mal de temps, notamment sur les sanitaires et la sécurité, et puis sur le nouveau le CTM sur lequel qui sera acheté dans l'année, donc de mise un peu aux normes de ces locaux. Sur le gros montant prévu en 2022, ça concerne un franc, rénovation de la partie maternelle et élémentaire, en l'encloisonnement de l'escalier. Voilà. Après, si vous souhaitez d'autres détails sur certaines écoles, je peux les donner, mais c'est pas, je peux pas, on va pas citer chaque école. Alors, sur les jeux et aires de jeu, donc sur l'année 2021, ça concerne Anne Franck en élémentaire et Manureva, c'est le remplacement du filet par ballon au terrain de sport élémentaire. Manureva, ce sera 2022
le remplacement des jeux de la cour de maternelle, et puis des gros travaux 2023 sur les quatre saisons. Donc c'est l'aire de jeu et la cour de maternelle. Voilà. Et puis il m'en manque une. Oui, alors sur 2023, pareil, c'est prévoit de budgétiser 120 000 euros. C'est pour la création d'un nouvel aire de jeu sur la ville, dont le lieu reste à définir, à déterminer. Ça, je passe. Les véhicules, 2 500, 30 000, ça, il n'y a pas grand chose à préciser là-dessus, mais sachant que ce sont aussi des engins, donc il y aura des tondeuses, des remorques, etc., à racheter quoi, dans le courant de l'année. Voilà sur cette présentation. Je peux enchaîner, puisque je vous l'ai dit sur la partie mise en conformité des bâtiments. Alors, ça me paraît important d'apporter quelques éclaircissements sur cette partie-là, de mise en conformité des bâtiments publics en matière de protection incendie. J'explique ce qu'est la commission communale de sécurité, qui est composée d'un représentant de la commune, donc un technique, actuellement c'est M. Philippe Magnette qui représente la commune, d'un représentant du service départemental sécurité incendie, incendie et secours. Je comprends que c'est la bonne appellation. Et actuellement, c'est le lieutenant Robert Brion qui suit toute cette commission sur Saint-Pierre. Et puis, cette commission est présidée soit par M. le maire, soit par son représentant. Donc, actuellement, je suis le président de cette commission. Donc, c'est une commission obligatoire qui intervient tous les 3 ans ou tous les 5 ans en fonction du type de bâtiment. Dans les locaux publics et privés de la commune qui reçoivent du public. Donc, d'année en année, cette année on en a 14, je crois, commissions, autant sur des bâtiments publics qui nous appartiennent ou qui relèvent d'autres entités, hein, et sur les bâtiments privés, par exemple les grands magasins, etc. Après une visite des locaux et différents tests incendies et autres, la commission autorise la poursuite des activités d'établissement, mais elle peut aussi aller jusqu'à la fermeture d'un lieu en cas de danger imminent. Donc, des observations sont faites et transmises au maire. Charge à M. le maire de faire réaliser les travaux de mise en conformité nécessaires. Alors pour le budget 2021, puisqu'on voit que le montant est important, dans cette rubrique mise en conformité incendie, la majeure partie des travaux à réaliser, la plus coûteuse, relève d'observations déjà anciennes, bien antérieures à notre arrivée aux affaires, puisque ce sont des observations qui datent de 2015, 2016 ou 2018. Et qui n'avait jamais été levé par la municipalité précédente. Globalement, et pour faire assez rapide, cela concerne Manureva pour 40 000 euros, les 4 saisons pour 25 000, l'Hôtel de Ville pour 35 000, Gainsbourg pour 25 000, la médiathèque pour 35 000 et Champ de Fable pour 40 000. Je voudrais que l'on partage à ce sujet un focus sur la salle Jean Villard, puisque je présidais la commission le 8 décembre 2020. Sur le PV de cette commission du 8 décembre 2020, on peut lire « Observation maintenue de la commission de sécurité du 16 septembre 2015, équipée d'un ferme-porte et logo de stockage, réserve pirate, réserve table, réserve régie, mais aussi
isoler les locaux à usage de dépôt du matériel par des parois et planchers coupe-feu de degré 2 heures et un bloc porte coupe-feu de degré 1 heure doté d'un ferme-porte. Ça veut dire des risques importants d'incendie et encore d'incendie, de propagation de cet incendie, puisque ces locaux ne sont pas protégés ni au sol, ni au niveau du plafond. Donc, je me suis bien sûr référé au PV de septembre 2015 et j'ai pu constater que ces observations, ces mêmes observations, figuraient déjà. Donc, si certains veulent une précision, ce sont les observations 19 et 21 de ce PV. Bien entendu, nous avons dû nous engager devant le SDIS à réaliser ces travaux dans les plus brefs délais. Afin de pouvoir continuer à utiliser la salle. Coût de l'opération pour 2021 sur la mise en conformité de Jean Villard, 92 000 euros. Coût global de l'ensemble de la mise en conformité de l'ensemble des salles et bâtiments délaissés jusqu'à ce jour par la municipalité de Nantes, 292 200 euros. Voilà, donc ça c'est pour imaginer qu'on nous on a décidé de. D'ailleurs, dès que je suis revenu de la réunion de Jean Villard, j'ai tout de suite vu Monsieur le maire et je crois que sa première adjointe était là également. Enfin, on en a parlé de toute façon en disant qu'il fallait absolument. Il n'y a pas eu de discussion. Il y a un problème de sécurité important, donc il faut absolument réaliser ces travaux le plus vite possible. D'autant plus que Jean Villard, entre autres, hein, les autres aussi, hein, puisqu'il y a des écoles. Jean Villard a utilisé, il y a du public, et puis il y a des enfants qui font du théâtre, etc. Donc voilà, quand on parle de frais, de coûts, voilà, nous on a décidé, en effet, on aurait peut-être préféré faire d'autres projets qui étaient prévus, mais là, il n'y a pas de problème pour vous, on mettra les logos utilisés par les habitants de la mairie en conformité et aux normes. Voilà ce que je peux la présenter sur le diapositive. S'il y a des trucs plus précis, je pourrais amener les... Sur le PPI, il faut savoir que le plan pluriannuel d'investissement sera à disposition sur le site internet dès demain. Et donc, ça sera revu tous les ans en fonction de la situation et en fonction des urgences qu'on pourrait avoir. Je précise que, bien sûr, les travaux sur la salle Jean-Villard sont indispensables à être faits rapidement, sinon on ferme Jean-Villard. Voilà. Oui. Alors, la crise de Covid nous a un petit peu aidé, entre guillemets, si je peux utiliser ce terme-là, dans le sens qu'on a fait assez peu de spectacles, mais si, mais il y a quand même une troupe qui est en résidence, hein, je crois, sur Jean-Villard. On a eu un spectacle avec des collégiens et aujourd'hui, je vais, si ça continue, enfin, il faut aller très très vite maintenant. Voilà. Bon. Un dernier point sur investissement, donc sur le dernier slide que je présente, les travaux de voirie pour 201 951,93 €, mais qui sont échelonnés, hein, vous le voyez, jusqu'à 2026, bien sûr, 164 000, etc. Donc, les choix sont faits. Alors, ce sont des enveloppes qui sont fixées. Bien entendu, les services techniques, avec leur connaissance du terrain, ont mis en place des priorités. Pour les réflexions de voirie. Et puis, les parties signalisation verticale, signalisation horizontale, ce sont aussi des enveloppes. Et là, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Ce sont suite aux rencontres de quartier. Donc, on en a réalisé quatre actuellement, où avec les habitants, on discute des sens de circulation, entre autres, des besoins de stock ou autre signalisation. Et puis donc, on a mis en place des enveloppes sur les 6 années pour pouvoir faire ces travaux et mettre,
et mettre aux normes. Ce sont aussi des créations de trottoirs. Alors, je donne un exemple. Sur la rue Suzanne Vandelaine, l'idée est de faire une allée piétonne tout le long de la rue parce que les gens, notamment en poussette, sont obligés de traverser. Là, vous connaissez un peu cette rue-là. C'est un peu compliqué. Et donc, on va essayer de faciliter le passage pour les. C'est de réaliser un mail, dans le mail, de réaliser une voie au milieu du mail qui est réclamée par les habitants depuis très longtemps. C'est une voie piétonne, oui. Et qui n'empêchera pas les fêtes des voisins de continuer à cet endroit-là. Je sais qu'ils m'accueillent avec plaisir. Enfin voilà, puisque là c'était mon dernier slide, je voudrais moi aussi remercier l'ensemble des services techniques parce que je travaille tous les jours avec eux et on a vraiment un service. Très motivé et très compétent. Très bien, merci. Comme vous voyez, c'est très compliqué le PPI parce que tout ça, c'est à monter, c'est pas simple du tout. Ce qui est important à noter, c'est surtout les réserves financières qui sont réservées à Cissé Macron pour les rencontres de quartier, qui ont déjà été faites. Je pense au cas des planètes, déjà, il y a certaines choses qui ont déjà été faites. Je pense à des panneaux qui ont été mis ces dernières semaines sur différents endroits de communes. Bien, on passe à celui-là, je crois que c'est ensuite, on passe aux recettes sur la session d'investissement, et puis ce sera le dernier slide. Je vais le faire. Concernant les recettes d'investissement, bien équilibrer les dépenses d'investissement, donc sur le chapitre A, il n'y a pas d'excédent reporté. Sur le chapitre 10, il a noté une forte diminution des fonds divers et des réserves par rapport au budget 2020 en l'absence de la reprise du résultat de l'exercice qui n'est pas aujourd'hui connu et qui sera repris lors du budget supplémentaire mais qui devrait être en excédent. Sur la rubrique 21, le virement de la section de fonctionnement, il n'y en a pas parce qu'on n'a pas d'excédent de section de fonctionnement. Les opérations patrimoniales, l'article 41, sont en baisse de 17,77% et c'est à l'étude de la qualité des comptes locaux et l'analyse et d'un certain nombre d'indicateurs. Parmi ces indicateurs figure la justification des comptes d'immobilisation en cours, mais également les amortissements. Dans le cadre de l'analyse des comptes locaux et plus précisément des immobilisations en cours, la réimputation par mandat des immobilisations en cours sur les bons comptes, c'est-à-dire que nous avons réaffecté des éléments sur les comptes qui les concernaient, pour un montant total de 185 100 € est prévu dans ce budget-là. Il s'agit de l'acompte pour l'acquisition du centre technique municipal qui ne peut être corrigé sur l'exercice 2020 comme initialement prévu en raison de l'absence de justificatifs comptables disponibles. Donc c'est une opération de régularisation. Là, le chapitre 24, produit de cession. Il s'agit effectivement d'un certain nombre de cessions que l'on a prévues pour équilibrer le budget. Dans ce cadre, il y a la vente de l'ancien centre technique municipal. Il y a la cession du clubhouse du golf de Villeray dans le cadre d'une opération de reconfiguration de ce golf. Et il y a la cession d'un bien immobilier actuellement en location qui serait repris par les occupants actuels. Sur les subventions d'investissement, donc comme pour on l'a dit tout à l'heure, sur les subventions d'investissement, donc il y a une baisse, puisqu'on est en train de rechercher l'ensemble des moyens nécessaires à la récupération de subventions. Sur le chapitre 40, les opérations d'ordre, excusez-moi, je reprends un petit papier.
Donc il y a un équilibre, une légère augmentation par rapport à l'année dernière, et les emprunts et dettes assimilées, nous avons prévu un emprunt de 570 000 euros permettant de financer et d'équilibrer le budget d'investissement entre les recettes et les dépenses. Merci. Très bien. Juste une information complémentaire, donc la maison de la rue Pasteur, pour information, a été, la négociation s'est terminée hier matin, juste avant l'annonce du décès de Mme Moëdan. Donc je discutais avec les techniciens de SNL, on s'est mis d'accord sur le prix en disant bah, Mme Moëdan va être contente, et une heure après, j'apprenais son décès. Donc voilà. On peut allumer les lumières, et puis maintenant, je vais vous laisser les questions, si vous avez des questions sur le sujet du budget que vous avez présenté. Alors, je sais que c'est toujours un peu compliqué, un budget primitif, il y a tellement d'articles, il y a tellement de domaines, mais réveillez-vous, réveillez-vous. Mais c'est très complexe. Voilà. Si nécessaire, après, on va voir comment on peut, au fur et à mesure, aménager de manière à ce qu'il y ait une visibilité plus importante. Y a-t-il des questions ? Donc, sur ce budget primitif, donc, je vais m'attacher principalement au point non développé dans mon intervention sur le vote des taux. Donc, concernant le fonctionnement, le chapitre 011 prévoit une nouvelle fois les dépenses d'entretien, réparation des bâtiments publics pour un montant de 377 000 euros. Et donc, lorsqu'il s'agit de dépenses d'une certaine importance, elles auraient pu être passées en section d'investissement pour alléger le fonctionnement. Il en est de même pour certains travaux de voirie que vous avez chiffrés à 180 000 euros et qui auraient pu être placés sur l'investissement. C'est un choix. Ensuite, pour le chapitre 012, il augmente de 6,17%, donc le 012, sont les frais de personnel, ce qui est conséquent, 6,17%. Vous le dites, l'augmentation due au GVT, au glissement vieillesse technicité, représente 2%, et donc il reste 4,17% pour les embauches. Sur un total de 155 agents, cela revient en moyenne à la création de 6 emplois et demi en équivalent temps plein. Donc, s'il est nécessaire d'embaucher pour Saint-Exupéry, cela n'impactera 2021 que sur 4 mois, donc devrait correspondre à 1,5 ETP sur 2021. Donc, il y a 5 ETP supplémentaires qui auraient pu être évités pour cette année 2021. Donc, à hauteur de 175 000 euros, c'est une évaluation parce que tout dépend du type de poste, bien entendu. Au chapitre 67, vous faites une provision pour des intérêts moratoires sur des factures anciennes à hauteur de 69 000 euros. Par rapport à ces demandes, il faudra les regarder de près car sur tout un mandat de 6 ans, nous n'avons jamais eu à payer de pénalités de retard. C'est normal, les prestations étaient en tiroir. Les factures étaient en tiroir, vous avez posé. Alors j'avais quand même des questions à poser. Je me demande quand même si les prestations avaient été réalisées complètement. Il vous faut quand même vérifier s'il faut réellement payer ces factures dans leur intégralité. Et dans tous les cas, il faut observer, négocier le cas échéant et ne pas payer les yeux fermés. Parce qu'effectivement, quand je vous dis qu'on n'a jamais eu à payer d'intérêt moratoire de tout le mandat, non, je suis d'accord avec vous. D'intérêt moratoire à payer. Vous n'avez jamais payé d'intérêt moratoire, vous n'avez pas payé les factures. C'est normal. Non, mais attendez, vous foutez de qui ? Non, mais attendez, vous êtes sérieux. On a peut-être. C'est scandaleux. Il y a peut-être. Manquer de respect au intérieur. Non, il y a peut-être des factures qui n'ont pas été payées si le travail n'était pas terminé. Il y a peut-être des retenues. Vous avez refusé de payer les travaux de l'aide de l'agent. Parce que vous avez découvert ça coûtait 400 000 euros. Vous voulez que je vous rappelle comment ça s'est passé ? On n'a jamais refusé de payer. C'est impressionnant. Alors, comment vous montez ? Continue. Vous êtes en attente du remboursement par l'État, vous en avez parlé l'autre fois, du FCTVA concernant la maison médicale. Donc cela représentera quand même un joli montant à recevoir de 430 000 euros environ.
Évidemment, ça, nous ne connaissons peut-être pas la date du remboursement, mais ça, ça viendra au crédit de la commune. Vous ne pouvez peut-être pas le comptabiliser sur cette année, mais parce que vous ne savez pas. En tous les cas, vous êtes sérieuse, hein? Oui, nous ne pouvions pas, j'ai fait des vérifications, nous ne pouvions pas le réclamer plus tôt, parce qu'il faut d'abord que ce soit voté au CA pour pouvoir réclamer le FCTVA auprès de l'État. Donc, La déclaration devait être faite avant le 30 juin. Vous ne l'avez pas faite. Oui, non, elle est là parce qu'en fait, si vous. Si vous l'avez gardée, je vous rappelle, vous n'êtes plus maire depuis 3 juillet. Hein, ça peut être, non, il faut, je n'ai pas la déclaration, mais j'ai l'article sur le FCTVA qui explique qu'on ne peut le présenter qu'à partir du moment où le CA est voté. Concernant la dépense. La maison médicale a été livrée fin 2019. Donc on n'est pas sur l'exercice 2018. Je suis désolée. C'est vous qui vous trompez, en l'occurrence. Mais bon, c'est pas grave. Continuons. Au chapitre 066, frais financiers. Vous prévoyez un nouvel emprunt qui va générer des intérêts à comptabiliser dans le fonctionnement. Ce n'est pas forcément une année où emprunter est judicieux. Globalement, sur le fonctionnement, des dépenses qui pourraient être diminuées pour ne pas avoir à augmenter l'impôt au-delà des 3 points et seulement pour l'année 2021. Au chapitre 065, le total des subventions aux associations baisse. Et certains bénéficiaires de subventions disparaissent, notamment dans le social. Donc, ont disparu les Papillons Blancs, Diabète Essonne, Association des sclérosés en plaques, France Alzheimer. Alors, évidemment, au départ, avaient disparu aussi les anciens combattants, mais on en a parlé l'autre jour. Je l'ai donc barré sur mon intervention d'aujourd'hui, puisque vous l'avez rectifié en séance. Concernant l'investissement. Votre manière de procéder consistant à vouloir vendre plusieurs éléments du patrimoine communal dès votre première année de mandat dénote un comportement dépensier. Vous envisagez un emprunt de 550 000 euros, mais sans épargne sur 2020, ça avait été dit au dernier conseil municipal, il y a un risque que les banques ne prêtent pas. Vous envisagez de vendre le CTM 9, centre technique municipal, qui est situé dans le programme Spirit, pour en acheter un autre dans la ZAC du Trou-Grillon, qu'il va falloir aménager, et en complément du vieux CTM, qui va nécessiter des remises aux normes sérieuses. Au final, cela ne va pas revenir moins cher que d'aménager le bâtiment neuf. C'est sûr que pour stocker du sable sur les mésanines, c'est un peu compliqué. Non, mais bon, vous caricaturez complètement parce que certaines communes ou certaines agglomérations ont des bâtiments qui correspondent tout à fait à celui qui est l'actuel nouveau CTM. J'ai un peu de mal à vous. La semaine dernière, vous n'expliquiez pas ça, vous disiez que c'était la faute des services techniques qui avait accepté ce bâtiment. Maintenant, vous dites, c'est possible de l'utiliser. Attendez, vous l'avez, ce bâtiment, il n'y a pas de prise électrique, par exemple. Il n'y a pas d'évacuation. Comment, vous avez vu ce qu'ils font au service technique ici, dans la ZAD du Trou-Grillon ? Ils usinent des pièces, ils travaillent, ils font des choses pour les ponts-points. Ce n'était pas possible là-bas. Je sais que vous avez fait une grosse fête, paraît-il, pour une délibération pour vous faire plaisir, mais je veux dire, c'est pas utilisable. Et puis, madame Alico, vous êtes la patronne, vous étiez la patronne en 2019. D'accord ? Moi, quand je décide quelque chose, les services, ils suivent. Vous avez les clés depuis avril 2019. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas rentrés dedans? Je vous demande. Vous le savez bien. Mais répondez-moi. Répondez-moi pourquoi vous étiez la patronne, vous aviez les clés en avril 2019, pourquoi vous n'avez pas tapé sur la table en disant vos services, vous rentrez. C'est la réponse. La réponse, c'est les services n'étaient pas à la réponse. Voilà. Les services décidaient. Donc, ça veut dire que c'est les services qui décidaient. Je vous pose la question. Mais les services, en l'occurrence, n'étaient pas favorables, en fait, et on prenait des quatre fers pour aller dans ce. Mais comment ça se fait que vous l'avez acheté alors?
Nous l'avons acheté parce qu'à l'époque, il y avait d'autres personnes qui étaient en charge non, des services mêmes. Techniques. C'était les mêmes. C'était pas les mêmes. C'en était d'autres et qui ont fait une définition du besoin qui a évolué visiblement dans le temps. La personne mais peu importe, après, bon, voilà, si c'est votre choix de ne pas aller dans ce... Je trouve que c'est dommage parce que c'était un lieu où, en fait, ils pouvaient être tous ensemble et c'était un bâtiment qui était neuf. Et évidemment, ça nécessitait des aménagements, mais je vous assure qu'il y a des bâtiments de l'agglomération, d'Évry-Courcouronnes, etc., qui ont tout à fait la même... physionomie de ce bâtiment-là. Je pense qu'Évry-Courcouronnes a des bâtiments, ça existe beaucoup plus grand que cela. Maintenant, si vous voulez plus voir, grand, moi j'ai confiance dans mes services, d'accord ? Deux choses, Madame Alicou. Moi, quand j'impose quelque chose depuis que je suis là, les services suivent. Les élus, quand ils décident quelque chose, on donne l'orientation politique, les services suivent, d'accord ? Donc vous, que vous osiez dire aujourd'hui que vous n'étiez pas assez forte pour vous occuper de ça, c'est un peu scandaleux. Ça veut dire que finalement, au niveau de la comptabilité, vous n'avez peut-être pas été assez forte non plus. Au niveau de l'urbanisme, vous n'avez pas été... Parce que signer n'est pas une construction que vous avez signée. Il faudra qu'on en reparle de cela. Signer la rue de Montgardet. Écoutez, non, mais attendez, je ne change pas de sujet. Vous changez totalement de sujet pour noyer le poisson. Je démontre votre incompétence durant 6 ans et qu'on va devoir payer pendant des années ici. C'est ça le problème. Allez-y, continuez. Et je pense qu'on va aller se dépêcher parce que votre incompétence a été démontrée, mais pour vous dire encore qu'éventuellement, il ne fallait pas faire ce charge. Arrêtez. Ça ne sert à rien. Pour ce qui est de la vente de un ou deux pavillons du patrimoine communal, je rappelle que ces logements sont des logements d'urgence et que la commune a besoin d'avoir des logements de ce type. C'est totalement faux. Nous y avons eu recours. Vous n'avez aucun logement d'urgence sur cette commune. Nous y avons eu recours pour des incendies de maisons, pour des situations d'urgence diverses. À ce sujet, vous avez annoncé avoir l'intention de vendre un de ces pavillons à l'association SNL, Solidarité Nouvelle Logement. Elle gardera donc un objet social, mais il nous faut aussi des logements d'urgence directement à disposition si besoin, en attribution directe par la mairie. Alors, c'est faux quand vous dites que nous n'en avons pas. Nous en avons attribué du temps où j'étais maire, justement, nous avons attribué à plusieurs reprises des logements d'urgence à des familles qui en avaient besoin. Alors, Madame Alicou, je peux vous poser une question ? Dans votre premier tract, la fois que vous avez été dans l'opposition, la fois que vous étiez plus maire, vous aviez dit que j'avais augmenté de 8% les logements d'urgence, soi-disant, qu'on avait. Vous pouvez m'expliquer d'où vous tenez cette information ? Les loyers de 8%. Vous l'avez écrit ? Ah oui ? Vous l'avez écrit ? Vous pouvez m'expliquer ? Oui, parce que, bon, en fait, j'ai des courriers de la part de certains locataires qui m'ont dit que vous aviez augmenté les loyers et j'avais les factures avant-après, enfin les appels de loyer avant-après. Vous avez vérifié ? C'est impossible, Madame Alicou. Il y a des règles, il y a des lois. Alors, si vous voulez... Mais je peux vous dire que j'avais les preuves. Il faudra les montrer. Si je l'ai écrit, je vous assure que j'avais les preuves. Il faudra les montrer parce que, de toute façon, nous, on n'a pas le droit d'augmenter. On doit respecter un certain nombre de règles. On n'augmente pas de 8%. Comme après, vous aviez rebaissé, en fait, suite à la réclamation de la personne en question. Ah, attendez, c'est une personne ou c'est tous les logements ? C'était plusieurs personnes. Alors, il faut savoir ce que vous dites, hein, parce que là, il faut me démontrer tout ça, d'accord ? Mais je vous le montrerai. Je compte bien, je ne lâcherai pas là-dessus. Je vais préparer la semaine prochaine. Je vous les amènerai la prochaine fois. Voilà, et bien vous en reparlerez, vous pourrez chercher beaucoup de choses. Tantôt Clubhouse du golfe de Villeray, le vendre ne me paraît pas une bonne idée tant que le projet global de réhabilitation du golfe n'est pas arrêté. Je pense qu'il faut vraiment garder la main sur ce Clubhouse pour l'instant, de manière à pouvoir négocier l'entrée du golfe par la commune de Saint-Pierre-du-Péray. Je vous écoute. Vous connaissez l'état du clubhouse ? Oui, je le connais. Ah ouais. Vous savez les travaux qu'il y a à faire dedans ? Combien ? On paye combien ? Il paye combien, vous voyez, le clubhouse aujourd'hui ? Blue Green. Il paye combien ? Vous le savez bien. Non, je vous demande. Dites-moi.
D'accord. Il paye zéro. Il paye zéro. Il y a combien de travaux à faire à l'intérieur? Mais le Blue Green avait fait les travaux de réhabilitation, de site de remise à niveau. Si, il y a 2 ou 3 ans, ils ont fait les travaux de remise à niveau. Mais pas des travaux extérieurs, ça ne se voit pas de l'extérieur, mais ils ont fait les travaux de remise à niveau. Donc, bon, en conclusion, ce budget primitif ne tient pas compte du contexte actuel de crise économique. Il est prévu de dépenser comme s'il ne se passait rien. La fiscalité annoncée est démente, alors que nos bases et nos taux étaient déjà élevés, même à l'intérieur de notre strate de 10 000 à 20 000 habitants. Des dépenses prévues pourraient être évitées ou différées. Ah ben c'est sûr que je pourrais très bien faire comme vous l'avez fait, c'est-à-dire rien. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce budget prévisionnel. Je ne m'attendais pas à mieux que vous. Je ne voulais pas votre voix, alors. Il y a d'autres remarques parce que je ne relèverai pas tout ce qui a été dit. Madame Eltu. J'espère des informations, des réflexions plus pertinentes, j'espère. J'y crois bien. J'en doute pas, d'ailleurs. J'en doute pas, d'ailleurs. Ça ne peut être que meilleur. Merci. Ce sera constructif, en tout cas. Merci. Normal. C'est bon ? Oui. Alors, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, donc, nous avons pris acte du débat d'orientation budgétaire du 7 avril 2021 et partons du constat que le budget primitif 2021 doit être impacté par la reprise du déficit validé par le CRC de 716 000 euros et actualisé à 549 000 euros, consécutif à l'héritage de la mandature de Mme Alicourt. Ça fait soit environ le budget d'une année de cantine scolaire. C'est non. La situation financière actuelle de la ville est très compliquée. Cependant, si l'utilisation du levier fiscal semble difficile à éviter, la hausse décidée n'aurait-elle pu être minorée ou bien lissée dans le temps, compte tenu des marges de manœuvre immédiates que cette augmentation semble donner. Alors, toutes les solutions ont-elles été recherchées, telles que la diminution de certains postes de dépenses de fonctionnement, mais aussi la recherche de recettes. Notamment, le montant de la DGF, donc la dotation globale de fonctionnement, étonnamment bas par rapport à autre ville de la même strate. Et interpelle et doit être exploré, d'autant que le nombre d'habitants augmente à Saint-Pierre-du-Perret. Parmi les différentes pistes à explorer, une autre recette aurait pu également être envisagée, le rétablissement de la taxe sur les enseignes lumineuses, supprimée par Mme Alicourt. Cette très forte hausse de la part communale de la taxe foncière tombe au plus mal pour les habitants de Saint-Pierre-du-Perret en cette période de crise sanitaire et économique. Nous ne pouvons pas avoir un avis formel compte tenu du fait que nous n'avons pas été associés à la construction du budget primitif 2021 et de ce fait, concernant son approbation, nous ne pouvons que nous abstenir. Donc ça sera annexé au PD du Conseil municipal. Très bien, je vous remercie. Juste une remarque, je vous donne raison sur un certain nombre de sujets. Concernant la TMTE, on y a pensé, mais il fallait la réactiver en novembre de l'année précédente pour l'utiliser sur cette année. Donc on le fera en novembre pour le 2022. On est en train de voir également ce que ça rapporte, parce que si ça rapporte 2000 euros, ça ne sert à rien. Si ça rapporte plus, il faudra se poser la question. Mais vous avez raison sur un certain domaine. Je vous remercie de votre intervention. Oui, monsieur. Moi, j'avais juste une question sur le diapos tout à l'heure. Dans les services techniques, tout le matériel qui est à acheter, est-ce qu'au préalable, il y avait eu un audit qui avait été fait? Ah ben, je pense que. Alors, là, je vais être clair, quand je ne sais pas répondre, je ne réponds pas. Voilà. Je suppose que. Les fournitures d'usure, hein, c'est pas, on n'achète pas. Non, je sais, mais c'était pour comme ça. Non, je ne peux pas te répondre. Quand je ne sais pas, je ne réponds pas. Voilà. Ça marche. Je ne sais pas. Mais on va regarder pour te répondre la prochaine fois. Nous sommes conscients de la difficulté de présenter un budget à l'équilibre dans le contexte financier actuel.
arbitrage difficile. Nous avons exprimé lors de la délibération précédente notre réticence à propos de l'augmentation de la taxe foncière et considérons qu'elle est trop lourde à supporter pour beaucoup d'habitants, surtout dans la situation actuelle. Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons exprimé lors de l'intervention précédente, mais ce budget découlant de cette hausse importante de la pression fiscale, nous ne pouvons à l'État voter pour ce budget. Nous sommes d'accord pour plus d'argent, et je dirais en aparté que l'embauche d'un directeur de cabinet ne nous apparaît pas comme une dépense infondée ou un gaspillage. Et si je peux me permettre, si Madame Alico, vous en aviez eu des initiatives, on n'en serait peut-être pas là. Notamment aussi, vous auriez pu vous entourer d'un service financier. Je vous rappelle que c'est très important pour une commune de plus de 10 000 habitants. Et en plus, tous ces agents font un travail de qualité. Vous n'avez eu de cesse de les mépriser et de les monter les uns contre les autres. Et voilà ce que ça a donné. Aujourd'hui, on a une commune dans un état lamentable. Donc oui pour plus d'agents. Oui pour la mise aux normes des bâtiments publics qui est incontournable. Oui pour résorber la dette, oui pour appliquer les préconisations de la CRC, mais nous regrettons que ce budget soit trop ennemi dans ce qui concerne la transition écologique et ne présente que peu de pistes pour y remédier. À ce jour, nous n'avons pas eu connaissance du plan pluriannuel d'investissement, il nous a été présenté ce soir, mais nous ne l'avions pas en amont, qui pourrait nous éclairer sur vos orientations en matière d'économie d'énergie par exemple. Nous aurions préféré prendre plus de temps pour réfléchir à la construction d'un budget pour 2022 qui aurait pris en compte les grands projets de votre programme. Cette année aurait dû servir à rééquilibrer les comptes pour nous permettre de prendre le recul nécessaire à l'élaboration des prochains budgets. Nous comprenons votre frustration en ce qui concerne la mise en œuvre de vos grands projets, mais il apparaît que la période que nous subissons n'est pas propice. C'est pourquoi nous nous abstiendrons dans l'état de voter ce budget. Très bien, je vous remercie. Je comprends tout à fait vos positions de groupe, mais clairement, ça fait 8 mois qu'on est là, enfin peut-être 9 mois maintenant. En général, le projet, ça se construit à partir d'octobre, donc cette année, on commencera en octobre. Là, on a commencé à réellement travailler sur le budget à partir de février, donc on était un peu juste là, pour essayer d'inclure tout le monde. On a fait le maximum qu'on pouvait, mais je comprends vos positions. Très bien. Ah pardon, je peux m'excuser. Oui, donc pour compléter ce que disait Nadège pour le groupe Agir pour Saint-Pierre. Heureusement que vous n'êtes pas 15. Parce que... Non mais on amène quand même dans les débats donc des choses intéressantes et c'est tout le but effectivement donc, de construire le plus possible ensemble pour après avoir la plus grosse adhésion des habitants. C'était une plaisanterie. Je sais, tu as compris tel quel. Pardon ? C'est lui. Le jour où on sera à 15, on est dans l'humour, hein. Ok, très bien. Donc, monsieur le maire, simplement. On est 33 autour de la table, donc 15, je suis encore majoritaire. Bon, monsieur le maire, au niveau de la DGF, c'est vrai que donc, on l'a mis en exergue, il y a donc cette dichotomie pour la ville de Saint-Pierre-du-Péray, avoir donc un statut encore de ville nouvelle. Alors qu'on est traité comme les autres communes au niveau de la DGF, c'est-à-dire donc une tendance donc, de l'État à vouloir baisser sa dotation donc, dans le cadre de l'économie, au niveau national. Ce qu'il faudrait, puisqu'on est de moins en moins nombreux avec le statut de ville nouvelle, de mémoire, il va rester Marne-la-Vallée pour la partie Est, et puis nous, toutes les autres villes nouvelles sont sorties donc, du statut de ce qu'on appelait OIN, pour rentrer dans le droit commun, il faut absolument qu'on se batte avec l'État pour lui faire toucher du doigt qu'il n'est pas normal qu'on soit traité donc, comme tout le monde, alors que nous avons, même si on freine les actes de virée ou si on l'empêche, mais nous avons encore donc, des constructions qui sont en cours et puis on a également l'héritage récent, il faut absolument que l'État nous aide et qu'il comprenne donc, cette position dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire une ville jeune qui a beaucoup construit. Il y a beaucoup de ménages avec des enfants qui ont donc nécessité
beaucoup de constructions, ne serait-ce que scolaires et périscolaires, et il faut absolument qu'on se batte, je ne sais pas, voir peut-être avec Marc Lavallée, s'ils sont également donc, dans l'optique de vouloir racheter quelque chose, mais il faudra vraiment s'accrocher et ne pas lâcher auprès des autorités pour essayer de revoir cette partie de la DGF. Voilà. Pour terminer, parce qu'il y a une forte attente des habitants, on vous l'a formulé plusieurs fois, la situation est catastrophique, tout le monde va passer à la caisse, ça va être douloureux pour les ménages, plus que d'autres, mais ça va toucher tout le monde. Et les Saint-Péréens ne peuvent pas constater qu'on ne fait rien vis-à-vis des sortants de l'instabilité agricole. On est heureux de vous avoir entendu récemment, et vous l'avez répété en commission des finances, avoir écrit au préfet, diligenter maintenant donc une demande d'audit par les autorités sur la fabrication des budgets 2018, 2019 et surtout 2020. Ces budgets étaient manipulés, on le sait très bien. Donc à partir de là, même si on n'avait pas une condamnation financière de Mme Alicot parce qu'on n'aurait pas les moyens de prouver son incompétence et la manipulation de certains budgets, on aurait au moins une condamnation morale, et je pense que les Saint-Péréens, ça leur ferait du bien d'entendre ça. Et puis, n'oublions pas cette opération Promogérine qu'il faut absolument tirer au clair. Il y avait un terrain communal qui a été estimé par les domaines à un certain prix. On a l'impression, et donc vous avez certainement plus d'éléments que nous, qui font que donc, ce terrain n'a pas été cédé au meilleur prix. Il faut absolument savoir pourquoi et où est passé l'argent. Merci. Très bien. Pas y passer la nuit, mais. Attendez, moi, le micro, mais le micro, vous n'entendez pas. Oui, là, je suis gentil. En fait, c'est paru dans un magazine municipal. On avait mis dans le magazine municipal l'évaluation des domaines et le terrain a été vendu 16% au-dessus de l'évaluation des domaines. Madame Hénon, je par rapport à ça, les choses sont très claires. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Les informations, vous les avez toutes. Il faut un avis supérieur et un avis neutre, et pas un avis municipal dans lequel on peut dire ce qu'on veut. Madame Hénon, stop, ça suffit. Ça suffit. Simplement... j'ai reçu dernièrement, Madame Hénon, un dossier complet sur l'affaire Promogérine. Il faudra qu'on en parle. Voilà. Transmis par un de vos anciens colistiers, qui m'a dit qu'un certain nombre d'informations qui sont un peu surprenantes. Donc il faudra effectivement qu'on en parle. Voilà, très bien. Sur vos interventions, oui, Monsieur Bavlan, bien sûr, il faut travailler avec l'État, bien sûr. Alors je vous informe, je vous en ai dit un petit mot tout à l'heure rapidement. J'ai informé l'État que nous nous opposerons à toute construction sur les avenues Villeray à partir de maintenant, du fait que, pour plusieurs raisons d'ailleurs, déjà GPS se positionne comme une volonté de terre nourricière. Et notre idée, c'est de profiter de cette situation pour ne pas entamer une zone qui est aujourd'hui encore agricole, alors qu'il existe des friches qui sont possibles de développer dans d'autres coins de l'agglomération. Donc notre objectif, c'est de garder ces terres agricoles pour des terres agricoles, alors pour faire une ferme peut-être, pour faire de l'éco-pâturage, mais du vrai, pas du... comment tu appelles ça, du greenwashing, là, pour faire juste joli, enfin, vraiment faire un projet pédagogique. Donc on se bat pour ça, voilà. On se bat également pour conserver les vergers, ça ne va pas être simple non plus, j'aurais besoin de vous, j'aurais besoin de tout le monde, parce qu'il faudra qu'on aille au combat tous ensemble. Donc oui, effectivement. Et sur la DGF, il faudra évidemment qu'on se batte aussi. C'est un problème, c'est pas normal que notre DGF s'écroule, alors qu'on accueille une belle population et qu'on nous demande de construire. Sur la Déglé Saint-Pierre, il reste 3-4 terrains où il y a des volontés de construire. Mais il faut voir les choses différemment. Et sur les Agues de Villeray, aujourd'hui, il n'est pas envisageable de construire quoi que ce soit. Voilà. Alors ça pose des problèmes, hein. Faut pas croire que dire on arrête la ZAC, c'est super bien. Pendant ce temps-là, l'école Manurela va se vider.
faut aussi tenir compte de tous ces aspects-là. Parce que des fois, on se dit, ah, c'est super, il faut faire des pétitions, 35 000 signatures avec des gens qui viennent du Canada, qui n'ont jamais entendu parler de Saint-Germain-des-Prés. Et puis, il faut arrêter toutes les constructions. Ouais, mais les conséquences. Conséquences, c'est que les classes sont fermées à Milieu-Réva. Ouais, tout ça, faut pas croire que c'est joli d'être maire ou d'être dans l'équipe majoritaire. C'est de tenir compte de tous ces aspects-là. Et quand on fait un budget, ou éventuellement, je peux comprendre que vous n'étiez pas inclus dans le budget, dans la construction du budget, mais vous savez, je veux dire, un budget, ça se construit en octobre, c'est les services qui montent le budget, les élus donnent leurs orientations, et après, moi, je fais les arbitrages. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Ne croyez pas que c'est des réunions tous les lundis soirs. On se dit, tiens, est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on fait ça. C'est pas comme ça que ça se passe. À partir d'octobre, on travaillera. Mais cette année, sincèrement, en octobre, on était sur un audit. Je crois qu'on était une équipe comptable. Fallait trouver une DGS, fallait trouver des équipes. On est à poil de partout. Hein. Quand on dit la sécurité à Saint-Pierre, c'est pas terrible. Bah, aujourd'hui, je suis désolé, j'ai 7 policiers municipaux. Bon, effectivement, les cambriolages baissent. On a encore des vols de voitures avec les clés électroniques. Mais ça s'améliore, les policiers municipaux sont sur le terrain, les services techniques font leur boulot, on leur sourit, on les remercie. Voilà, c'est ce qui n'arrive, c'est ce qui n'était pas avant. Pendant les épisodes des Jeux, bah excusez-moi, mais on a reçu des félicitations parce que toutes les rues, même des rues qui n'avaient jamais été déneigées, ont été déneigées cette année. Donc tout ça, c'est du boulot, tout ça, c'est du travail, tout ça, c'est de l'organisation. Et ben voilà, c'est des choses comme ça. Alors on a déjà oublié, parce qu'on est en été, et tout l'hiver, on nous a remercié pour les déneigements qu'on a fait. C'était relativement important. Et c'est ça le boulot. Voilà. Alors, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est, je remercie les services techniques, je remercie toute l'équipe municipale, que ce soit l'événementiel, que ce soit la COP. Enfin, ils font un travail formidable parce qu'ils ont envie aujourd'hui de remonter cette commune. Il faut qu'on le fasse tous ensemble. Voilà. Nous aussi, nous étions au travail. Mais je vous vois travailler en commission, j'en doute pas du tout. Bien. Alors, sur ce budget politique, donc on a entendu vos remarques, on demande de votre compte. On a 3 votes contre, on a 6 votes abstention. Abstention. Je peux passer au vote. Donc, quels sont ceux qui sont contre pour faire plaisir à Mme Aigo de lever la main? Deux mains, s'il vous plaît. Merci. Ça fait 3. Abstention. C'est donc adopté à la majorité. Je vous remercie pour ce premier budget primitif. On passe au point suivant qui est. La garantie d'emprunt de société immobilière 3F avec les dépôts et consignations, rapidement, hein, c'est juste pour expliquer pour que tout le monde soit bien au courant comment ça fonctionne. Quand il y a une construction d'un bâtiment, ce promoteur demande une garantie d'emprunt. Et la commune prend 40% et l'agglomération prend 60%. Ouais. C'est du classique, hein, c'est pas nouveau. Hein. C'est pour du logement social. J'ai tout dit peut-être. C'est très bien. Et en fait, bon, alors je finis, hein, si tu ne veux pas. Je finis. Donc, simplement, donc on prend une garantie d'emprunt et la garantie nous permet d'avoir accès à des logements dont on aura la main pour attribuer à des personnes qui sont en difficulté sur la commune. Voilà. Donc, c'est une garantie d'emprunt, c'est du classique. Et la société 3F a une garantie financière relativement importante. Donc, il n'y a pas de risque particulier. Voilà. Des remarques? Vote contre? Abstention, c'est donc adopté à la majorité. À l'unanimité, ce soir je vais juste la majorité. Je laisse la parole à. Ah oui, si, le point 3 qui a été déposé sur table concernant les. J'espère que vous êtes tous d'accord. Alors je sais que c'est. Je dois vous demander l'autorisation, puisque vous l'avez perçu 5 jours front avant. Je veux savoir si vous étiez tous d'accord que je puisse présenter cette délibération, qui est l'erreur que j'ai commise de ne pas avoir saisi ces informations dans le M14. Donc je le présente sur table, c'est simplement de permettre à ces associations militaires de recevoir leurs subventions. J'espère que ça ne vous pose pas de problème. C'est parce qu'en fait, dans le tableau Excel que j'ai récupéré, les champs du plaisir étaient dans les associations militaires. Je sais pas si... Ça me surprend un peu d'ailleurs, en connaissant votre mari. Mais voilà. C'est un vulgarisme. C'est un vulgarisme. En fait, c'était. Moi, j'assume les erreurs, donc c'est mon erreur de ne pas avoir intégré ce tableau Excel dans la maquette M14. Et donc, je vous demande la permission de l'intégrer sur table et d'avoir votre accord. Y a-t-il des remarques? Oui. Au niveau des recettes, vous avez. Micro. Alors, oui. Oui, vous avez. C'est une bonne question. Oui, je ne suis pas que méchant. Donc, dans le sport. Dans les associations sportives, il y avait un reste à réaliser pour les futurs projets potentiels de 5 100 euros, si je ne me trompe pas.
Et donc, du coup, dans la maquette, on ne la change pas. On prend 3 700 euros de ces subventions-là sur les 5 000 euros qui sont pris dans le reste à réaliser au niveau du sport. Et la fois prochaine, on refera l'écriture inverse pour pas que le sport soit pénalisé. Voilà, mais j'ai l'accord de M. Garnier sur ce point-là. Et donc, ça ne change pas la maquette comptable. On reprend d'un poste pour le mettre sur celui-ci. Opération classique. Voilà. D'autres remarques ? Vote contre ? Abstention ? C'est bon ? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je passe la parole pour le dernier point de la délibérative sur l'urbanisme. Merci. Bonsoir à tous. Eh bien, c'est une répétition d'une délibération que nous avions déjà prise au mois de septembre 2020. En fait, on avait délibéré un petit peu trop tôt, et la crise sanitaire étant passée par là, nous sommes sollicités et nous avons eu connaissance d'un nouveau délai. Qui a été fixé entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021 pour redélibérer sur ou pas le refus du transfert de la compétence du PLU à l'EPCI, sachant que cette compétence tombe de droit aux agglos à compter du 1er janvier 2021, sauf si on s'y oppose. Donc je vous propose de redélibérer dans le même sens que nous avions délibéré au mois de septembre, à savoir donc de maintenir cette compétence au niveau de la commune et donc de refuser le transfert de cette compétence à l'EPCI, à savoir GPS. Très bien, présentation, je pense que c'était clair. Y avait-il des remarques ? C'est clair pour tout le monde ? Oui. Des remarques ? Vote contre ? Abstention ? C'est donc adopté à l'unanimité, je n'arrivais pas ce soir, ça arrive. On a fini l'ordre du jour, y avait-il des questions diverses ? Oui, j'avais juste une question par rapport à la révision de la cartographie des bases fiscales, savoir si vous aviez connaissance d'une date prévue. Je sais que ça doit être fait uniformément au niveau des communes, savoir juste si vous aviez une date. Je demande actuellement sur la ville, il y a 3 zones fiscales, ouais, en fait. Et savoir s'il n'y a pas vraiment 3 zones. Le taux il est identique pour tout le monde, Vieux-Bourg, la Ville Nouvelle et puis Green Park. En fait, c'est les bases qui changent. Mais il n'y a pas de. Alors, il y a eu la CCID il y a 3 semaines, commission communale d'impôt direct, de manière à identifier toutes les nouvelles constructions et voir ce qu'on pouvait y rajouter. On a le droit de poser la question aux personnes qui étaient là, des impôts directs de la DGFiP. Pour demander si on pouvait rééquilibrer, parce qu'on sait que Green Park, en général, paye plus cher que les autres. Et ils nous ont dit que ce n'était pas prévu dans l'immédiat. La grande nuit fiscale pour remettre tout ça d'aplomb n'est pas prévu du tout. Elle a été faite pour les enfants. Pardon ? Il n'y a pas encore de date. Non, mais je pense qu'il n'y aura jamais de date. Il faut être clair, il n'y aura jamais. Si vous voulez, je me rappelle qu'Yves Berger avait essayé de faire quelque chose, parce qu'il travaillait aux impôts. Mais en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que cette grande nuit fiscale pour remettre tout le monde d'accord ne sera jamais. Voilà. Donc n'attendez pas à ce qu'il y ait une révélation, il nous a confirmé que cette grande nuit fiscale que tout le monde, tous les politiques promettent, ne sera sûrement jamais. Voilà. Ça a été fait avec nos entreprises, mais pas avec nos habitations. Voilà. Pas d'autres questions ? Bien, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Pour les personnes du CCS, demain soir c'est le budget, donc n'oubliez pas. Et puis je vous souhaite un bon week-end, protégez-vous bien, faites attention à vous. Et au mois de juin, je ne sais pas la date, on va décider la date du mois de juin. Pas encore. Il y aura un conseil municipal au mois de juin pour un budget supplémentaire. Je vous remercie, à bientôt. Au revoir. Ah oui, je vais juste préciser en détail. Toujours pour le même sujet, on joue sur les. C'est pas de gaieté de cœur. Je voudrais juste que vous l'entendiez. Qu'on augmente les impôts, d'accord ? On aurait pu s'en passer. Voilà, merci.